de commencer avec changer de lunettes pour plus de probité. Voilà. Avec moi, le vocabulaire, on l'en prend. Voilà. Alors, je vais utiliser la radio, car j'adore la radio. Voilà. Ouais, alors, radio. Alors. Voilà. Bonsoir à tous, Michel Enclume, 000, dégré personnel. Dégré personnel. Captain, bonsoir. Prise de service. Il m'a pas briefé, Captain, mais je sais comment ça se passe. Court, s'il vous plaît, vos codes radio, merci. Ouais, mais techniquement, je dois annoncer que le dégré personnel. Clear radio. Parce que si les gens ont besoin de dégré personnel, c'est important. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi? Ah, chef. Quoi? On s'est fait chier là avec ces codes de mes couilles. Bonsoir Michel. Bonsoir, ça va jeune? Ça va, ça va. Bonsoir à tous ces collègues. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est qui là le... Bonsoir, monsieur. Le Steven Seagal en costard. Futur recrue. Futur recrue, monsieur. Oui, monsieur. Allez, on va l'emmener. On t'appellera Steven Seagal. Parce que tu ressembles en Seagal. Très bien, monsieur, pas de problème. Oh, la nouvelle voiture, elles sont belles, hein. Franchement, très jolies. Elles sont pas mal, hein. J'en veux une. Radio, s'il vous plaît, quelqu'un pour qui je peux patrouiller. Une dame qui va récupérer 000, s'il vous plaît. 75, radio 06, pour le recrutement. 06, Tango 92, on peut se disloquer. On discarde, faites ça 0, alors. On peut partir avec 06. Ah, KD 06 au rapport. Ouais, patrouille, madame. Oh. 33, est-ce que vous pouvez me confirmer le sexe des recrues là qui sont au PDP? Tout le monde est mon instructeur, ça va. Réitéré? Masculin. Pas féminin? Négatif. Voilà, quoi. Oh, okay, bonjour, collègue. 05 pour radio. 05 pour radio, vous êtes au courant que 38 doit rester à l'hôpital ou pas? 15. C'est quoi cette voiture incroyable là? C'est une banalisée, 00. Je peux en prendre une moi aussi? Ouais. Ah bon, mais c'est sûr? Attendez. Ouais, non, mais ça me fout, de toute façon, j'en veux pas. Ouais, c'est juste par curiosité, belle en tout cas. Hein. Ouais, merci bien. Moi, ouais, je dois vous laisser, je dois aller chercher de la paperasse. Allez, viens le bisu. Ouais, y a même 30 qui a besoin. C'est qui 30? 30, c'est la fille avec les cheveux verts, je crois. Ah, bah dis-lui de venir. Elle s'appelle 30, Adam. Devant toi, au PDP. Ouais, voilà, on va la récup. Bon. Très bien. Ah, je suis là pour apprendre, hein. Moi je suis preneur de oui, tout. Oui, oui, c'est bon, hein. Comment ça part faire le bon petit élève, les chars de boules. J'ai envie de me faire lécher les boules, je me prends un chihuahua. Ah non, non, je suis pas comme ça, non. Attends, j'en reviens. Vas-y. Non, moi je le faisais parce que comme ça, je l'aimais bien. Il y a moyen que tu me le gères au sort, je le prendrai demain. Alvarez, c'est vous. Bah, je gère par l'écrit, moi. Oui. Je gère par oral. Vous allez. Ah, bah, l'oral, le sort. Et vous? Je vous déteste, vas-y. Mais en tant que délégué personnel et syndical, je me dois de venir vous saluer et savoir si vous avez la bonne santé. Ça va, tout va bien? Oui, tout va bien. Je vous serre la main. Non, je veux pas, j'ai pas envie. Ah ouais? D'accord, bah, la prochaine fois, je vous serre pas la main et vous faire foutre. Voilà, exactement, que j'aime bien me faire foutre. Toi, je suis comme ça, moi. Voilà. Allez, les enfants, montez dans 0, la voiture, 0. On se dépêche, pitchounette. Bonjour, monsieur. Ouais. Comment ça je va? Je rentre tout de suite. Allez, ça va et vous va. On va aller chasser le loupard un peu. Tango 000 10 41 au secteur. On est bas. C'était ça. Ah ouais, vous gérez la radio, jeune, hein. T'es content d'utiliser la radio, hein. Tu veux gérer la radio toi-même? Non, vous me tutoyez. Non, se tutoie pas. Vous-même, toi-même, vous-même. Non, ah, c'est parce que j'ai l'habitude d'avoir des autres collègues qui me disent tu, donc ils m'autorisent ouais, à dire bah tu aussi. On dit pas tu, on dit vous. Ok, capté. Capté, qu'est-ce que c'est ça? Tu peux pas dire oui compris. Bon, d'être oui, hein. Oui, monsieur.
Voilà, tu vois que je patrouille. Mais bon, hein. D'accord. Oh, monsieur, vous êtes à l'hôpital, monsieur. Michel. Ah bon. Ouais, avec. Faites-moi le point, là, la demande importante. Faites-moi le point sur okay. Le GP. Qu'on sache où qu'on va. C'est fait. Nickel, c'est fait. Dites à la radio qu'on y va. Au 000, on s'y rend. On s'y rend à quoi? Sur le code 3, alors, il faut être précis. Trop tard, alors dites pas, après vous avez foudé la radio. Ça va vous faire engueuler. Okay. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Vous sortez les tasers et tout, hein, ça peut être grave, hein. Il me semble que c'est pour une... Il me semble que c'est pour une perquisition. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça dit à la radio? Je suis obligé de la mettre. Là, il ils ont demandé. Il y a des autres là. Il n'y a rien. Ah, ils sont là-bas à droite. Sur le parking. Ouais, à gauche. Passe. Là, ici, à gauche. Ah, ah. Gauche, là, là. Ouais. Non, derrière. Vous voyez pas derrière là? Ah, ouais, ouais, ah. Derrière, monsieur. Allez, on y va. Pour l'intérieur. On y va, monsieur. Garez-vous à l'intérieur. Laissez pas le véhicule là. Il va bien mon véhicule, pas besoin d'un enfant pour me dire où je dois regarder un véhicule. Triple zéro, ouais voilà, nickel. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Giro. Ah, ok, non c'est bon. Tu la mets en travers comme ça, c'est bon? C'est bon, laisse là comme ça. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Fais-moi une zone de sécurité s'il te plaît. Ouais, pas de qu'est-ce problème, qui se passe tout. Avec les barrières et tout. Bon, je vais le répondre. Alors, regarde. Mes respects, oh, mon lieutenant, comment t'allez-vous? Allez, c'est parti. Bonsoir, ça va très bien et vous? Que se passe-t-il? Bon, Michel, ça va très bien. Je veux deux agents qui restent à l'intérieur, juste à l'entrée, s'il vous plaît, qui nous surveillent là-haut. Ouais. Je suis pas cadet, moi. Vas-y, et toi aussi. On est sur une perquisition, vas-y, ça monsieur. Marche, moi, on reste devant. Très discret, faites attention. 30 et 01, vous restez avec moi. 72 et. Ça reste avec qui, hein? Avec moi, 30. On reste à l'entrée. Et 01 aussi. Le reste. Vas-y, ça marche. Triple zéro? Oui! Tu pourrais faire attention, regarder un peu aux alentours s'il n'y a pas du monde. Et tu fais attention, hein. S'il y a du monde, tu reviens tout de suite, tu prends pas de risque. Il y a, okay, y a un milliard de trucs, hein. Là, c'est gros lot. Quoi? Sérieux là? Ouais, gros lot, gros lot. Ça marche? Vous pouvez pas rentrer? Bah, d'accord. Il faut rentrer les caisses. Merci, triple zéro. Leur quartier, il est juste à côté. Restez pas les bras croisés, sortez tous. Sortez tous une arme et restez. Au niveau, elle est au niveau. Ouais, je t'ai pas. Elle est au niveau tout, s'il vous plaît. Je sors taser. Parce que là, ils savent qu'on est là. S'ils viennent pour prendre des là, je toque, là. Des otages, là, j'ai toqué. T'as pas reçu 55, rentre aussi. 55, mets-toi devant l'entrée, s'il te plaît. Prenez votre arme létale parce que là, ils vont essayer de venir en groupe. 72, tu t'occupes de lead. Non, dis-nous quand t'es dessus, faut que tu l'aies. Voiture rouge qui rentre autour là. Lead. Deux fois qu'elle passe. 10-4. Tu peux te mettre. Mettez-vous au niveau des barrières avec 30. Les deux cadets, s'il vous plaît. Mettez-vous au niveau des barrières. Personne ne si quelqu'un s'avance, vous faites circuler. Vous faites attention, parfait. Vous ouvrez l'œil. Hein. Et okay. Si ça arrive, pas de panique, poli, courtois et ferme. Ok, exactement. Et je dis, messieurs, veuillez circuler, s'il vous plaît. PC nous attaque, on peut taser. C'est jackpot. Sécurisez l'extérieur. Discat, hein. Armes, drogue, argent, tout. Hein. Je suis actuellement sur le toit, rien à signaler pour le moment. Je répète, RAS. 01, reviens à l'entrée s'il te plaît. Ça veut dire là on les a affaiblis et on va faire la partie dans leur quartier. Vraiment beaucoup d'aller-retour, capitaine. Ouais. Ouais, vraiment. Il y a une carabine spéciale MK2. Ouais. Je crois. Ah mais non, j'ai rien dit. Voiture rouge de nouveau. Ensuite. 10-4, c'est rien, c'est juste une voiture rouge. 10-4. C'est la même, ça fait 3 fois qu'elle passe. 10-4. Ah, mais il y en a plusieurs de comme ça. Ah, ça va, collègue? 30, ouais, crie pas, s'il te plaît. Pardon, monsieur. Pas de soucis, t'inquiète.
Adam 59, on se rend sur la bijouterie. 10-4. Alors, mon lieutenant, qu'est-ce que vous faites avec le chiffon sur la tête? Ça va, mon capitaine? Michel. Ça va, Michel? Le problème, c'est qu'ils ont pris à partie ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, petite salope, on va les tabasser sur les champs. Enfin, on va rester professionnel. Le chiffon sur la tête. Comment il va, le capitaine? Bah, il va très bien, capitaine. Et on est un petit peu en colère parce qu'on a mené une enquête assez compliquée. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Alors, racontez-moi. Vous n'êtes pas au courant de ce qui m'est arrivé? Hop. Excusez-moi. Attention, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Il y a deux personnes sur le toit en face là, du barrio qui viennent de le passer. Je viens de les voir avec mon œil d'aigle. C'est ça. Deux personnes sur le toit. Je pense qu'on est repéré. Attention. Vers où, 000? Le barrio, c'est là. Ah, ok. D'accord. Sur le toit du bâtiment en face, de l'autre côté de la rue. Ok, parfait, merci. Je pense qu'on est repéré. Très bien là. Joué. Parfait. On va essayer de faire au plus vite comme ça. Est-ce que sur la perquise là, il y a des agents qui s'occupent des drogues? Bah, la MPSU. Voilà, il y en a quelqu'un de la MPSU là? Oui, 60. Ok, demande à rentrer s'il te plaît. Ça va arriver, capitaine, je pense. Hein. Qu'est-ce qui va arriver? Ouais, les, bah ouais. Deux gars sur les toits en face là. 17 pour 72. Ça m'étonne que tu nous aies pas vu depuis d'ailleurs. 10-4, je te ferai une. Ah, bah 72, j'y vais juste en face. Je vais juste prendre tout. Ouais. Après, peut-être qu'ils mangent les tortillas. Ouais, peut-être. Ça va, vous êtes mais là, avec les 2 millions qu'on va leur prendre, ils vont plus avoir de quoi s'en acheter des tortillas là. Je tiens à vous dire que j'ai trouvé votre bisoutage. Il serait 67, 19 PDP. Ah ouais. ça m'a fait rire pendant longtemps. Et puis après, dans la voiture, il râlait. Oh, qu'est-ce qu'il râlait. Alors je vous le dis, il va se venger. Je vous préviens. Je suis pas prêt, c'est. Franchement, je sais pas. Pardon, j'ai pas compris. Vous avez. J'ai dit, j'ai pas hâte. Oh, ça va, prenez-le bien. Si lui le prend mal, vous le prenez mal, on va pas s'en sortir. Ouais, c'est vrai, Michel. C'est bien pour la cohésion d'équipe, tout ça. Tu penses? Moi, je pense. Oui, ça crée des liens, ça, hein. Prends Charlie, Ouais, peut-être. C'est bon, vous en sortez? Il reste quelques trucs, là, ouais. Ok. En vrai, c'est vrai que... Tango 67 se transforme en Adam 38. Attends, je vais le faire, attends. Des agents qui peuvent rentrer à l'intérieur, il reste beaucoup de... Non, Adam 59, dispositif avec une noire occupation une fois. Ouais, on contrôle, monsieur. On contrôle rien du tout, faites chier à côté de barrière, prenez pas pour l'idiot, j'ai déjà fait. C'est vrai. Non, on guette, on vérifie. Vérifiez quoi? C'est Ron. On compte les oiseaux. On sait jamais, s'il y a des gens qui veulent venir. C'est ce qu'il a dit. Moi, c'est 06. 06, je vous appelle KD Suceur. Vous êtes tout le temps en train de. Il n'y a que toi qui peux faire rentrer si t'es à l'intérieur. Vous m'avez gobé le gland. Oh, ah bon? Ok. On va voir alors. Ouais, et puis je 92 va toquer. Visage, moto qui se dirige, qui passe devant nous. Terminé. Dire quand vous êtes pris une faciale, ça vous ira bien. J'ai toqué. 14 et 55, on fait un retour PDP parce qu'on est chargé. Alors absolument pas. Et. Des véhicules jaunes, hein. Attention, mobilette qui fait les tours. Mettez-vous tous derrière les véhicules, je protège le barrage. Ça arrive. Vous laissez pas rentrer ça les barrages. Ça arrive, Radio. Ah, ouais. Oui. Ouais. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à faire. C'est bon, du calme, ils vont pas nous tirer dessus. Hein. Ouais, non, mais juste, prenez votre bouche. Un petit peu, on laisse aller leur parler. Ils ont plus d'armes, on va engager la conversation, si vous êtes d'accord. Je pense qu'ils vont passer par derrière. Bonjour la jeunesse, comment ça va? Bonjour. Le tour de voiture. Ça va, je peux vous aider? Je peux vous aider, seigneur? Pourquoi vous... C'est Michel, arrête de me voir. Ah, Michel, comment ça va, Michel? Ça va bien? Vous m'avez pas reconnu ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici, Michel? Je sais pas, intervention, là, du haut commandement. Ah ouais, c'est une usine abandonnée, il n'y a rien ici. Une usine, ouais, exactement. Je sais pas, ils ont trouvé des trucs, là, des armes, la drogue. Et ils ont déjà tout pris ou pas encore? Pour le moment, on fait une pause parce que là, on est entouré. Moi, je surveille. En vrai, je t'envoie un cadet. On est prêt, équipe devant. Ah ouais, il y a des cadets là, ce que je vois. Ouais. Ok, 01 va toquer. Un chien. Il faut le rentrer. Il y a un chien aussi. C'est moi qui les forme, ils sont gentils. Vous faites quoi? Vous allez faire la vie en voiture? Ouais, un petit tour. Ouais, on va visiter un peu la ville. Visiter un petit peu. Passe-toi, Pecagno. Ouais. Il habite pas loin, je connais son maître.
Ah ouais, je croyais que vous le faisiez courir derrière la voiture, j'aurais été obligé de vous arrêter. Ouais, ouais, on pourrait, on pourrait. Bon, allez, passez une... Restez pas là par contre, parce que le capitaine est... Ah ouais. Allez, allez faire le tour. Il y a le capitaine là-bas, sur place. Ah, il y a tout le monde, il y a tout le monde, oh. Capitaine. Oh, recule, 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 recule. Ah, oh, on va non, partir, non, alors, je crois, on va faire un petit tour. Ok, d'accord, on recule, on est bien. Rentre-toi, s'il te plaît. Allez, bonne soirée, Jeanne, bonne journée. Il braque, il braque, il braque, il braque, il braque. Restez devant, restez devant. Il a qui le toutou? File de là, le toutou. Vers toi ou on fait le tour? Deux véhicules devant. Ah non, hop, 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 attention! Ça braque de l'autre côté. Alors, les jeunes, qu'est-ce que vous faites? Braquez pas tant de temps! Levez les mains. Ne tire pas, Michel. Michel, ouais, ne tire pas. Il vient de nous braquer. Oui, non, mais ne tire pas au flash ball. Flash ball. Ça tire de tous les côtés. On a un otage. On a un otage. Tenemos un otage. Tenemos un otage, por favor. Derrière. Bon, les mecs, les deux attaques, ne vous faites pas prendre un otage. Qui c'est qui tire là? Arrêtez tous les babas que vous voyez sous vous. Sors, toi. Suivez-nous. Dégage. Si ça vous tire dessus, toi sur vous, répliquez bien sûr. On va le fumer. J'ai des molotovs de pied, toi. Venez, avancez par derrière. Encerclez les deux là. Y'a pas d'encerclé. Oui, vous allez fumer, vous êtes encerclé. Arrêtez de jouer au con, vous êtes encerclé. Appelle à toutes les unités sur la position. Mais baissez vos armes, vous êtes encerclé. Tu vas aller où comme ça? Je vais le fumer sur la Santa Maria, je vais le fumer. Ok, tu vas le fumer, on va le fumer derrière, ça sert à quoi? Ok, tu vas le fumer, recule, seigneur. Allez, calme-toi. Relâche mon collègue. Viens par là, je vais parler avec toi, viens. Vous êtes encerclé, relâche. Attention, viens là. Tu bouges pas, on est deux sur toi. Hein. Tu bouges pas. Michel, braque-le sur moi. Mon collègue, on va vous tirer dessus. Tu veux qu'on en arrive là? Baisse ton molotov. Baisse le molotov, jeune. Baisse. Voilà. Mettez-lui une menotte! Voilà. Bah, au bout d'un moment, il nous braque. Il est tombé! Le petit, il est tombé! Il est tombé! Qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, une jeune fille. Il y a une jeune fille dans le coin. J'en ai désingué un au flash bouillé tombé. Là, elle est là. Bouge pas, jeune fille, je t'en joue. Mets-lui les menottes. C'est bien, collègue. C'est bien. Non, mais alors, Tu t'en occupes, triple zéro? Pichounette, tu as fait les bêtises. Ouais, tu t'en occupes, triple. Vas-y, non, mais descends là parce que moi j'ai du mal. Ah, j'ai le genou en bas. Ouais, mais faut la démeloter. Fouille-la avant de la démeloter. Fouille. Oh, la fouiller, c'est vrai. Allez, madame, on lève les mains. Pourquoi une petite palpation de sécurité. Et vous allez me donner les cocktails Molotov que vous aviez dans la main. Dis-moi, jeune fille, pourquoi tu fais les bêtises comme ça? Tu voulais brûler des officiers de police? Tu te rends compte de la gravité de tes actes? C'est pas bien. Allez, relève la tête, là. Vous faites trop les fous, vous, c'est normal.
Comment c'est... Ah, mais c'est Michel. Michel fait jamais le fou. Non, prends pas. Attention, j'ai les collègues qui viennent. Allez, tu vas suivre les collègues, gentiment, allez, s'il te plaît. C'est pas grave, t'as fait la bêtise. Tu vas payer les pots cassés, ça ira après. Allez, viens. Allez, s'il te plaît, avance. Si, j'avance. Allez, avance. Parce que Michel est toujours gentil avec vous, alors, s'il te plaît. Écoute-moi, je fais en sorte que ça se passe bien pour toi, d'accord? D'accord, pipounette? Si. Mais par où on descend? Oh là là, je suis trop vieux, moi, pour ces bêtises. Peux par là, viens là, tu vas te faire bobo. Non, ne va pas par ici, à l'échelle. Tu vas pas me faire les sauts comme les Yamakasé, quand même, alors. Vas-y, prends l'échelle. Prends l'échelle en premier, vas-y. Fais attention, hein. Ne monte pas dans la voiture pour t'enfuir. Ah, aïe. Tu voulais monter dans la voiture pour t'enfuir. Allez, c'est ta voiture, jeune fille. Réponds-moi, s'il te plaît, parce que si je fais le monologue, ça m'ennuie. Est-ce que c'est ta voiture? Ne réponds pas. Non, c'est pas ma coachée. Elle est pas bavarde. Est-ce qu'elle est ouverte? Si elle est ouverte, tu la... Attention, hein, tu la mets en joue avec le taser. Elle est dangereuse quand même, on veut pas qu'elle fasse la bêtise. Allez, monte à l'arrière de la voiture avec mon officier, s'il te plaît. AJKD. Mets le taser sur elle, toujours, attention. Allez, madame, vous montez, allez, s'il monte, vous plaît. Jeune fille. Allez, montez. Voilà, c'est bien. Allez. T'inquiète, je le surveille. Attention, levez-vous du milieu. On va ramener la voiture. Comment t'as dit le cocher, ça s'appelle? Je ne connais pas bien les mots d'espagnol. Vous allez vous faire engueuler par le réfet, là, pour ce que vous faites, hein. Il a de l'argent sur lui, ça peut sauver un peu. Non, c'est vrai, voilà. Allez, tu sors. Attends, je peux regarder dans les autres voitures. Bien joué, Michel. Allez, madame. Allez, vérifier. Suivez-moi, madame. Allez, il faut la fouiller, elle a pas été fouillée, attention. Non, y a rien. S'il te plaît, c'est quoi ton matricule, toi? Fouillez-la, vous la montez. Il est tombé dans les pommes, tombé dans l'escalier. Allez, madame, on se met contre le mur ici. Les collègues, vous avez vu celui que j'ai fait chez vous? Il est tombé du toit, là, comme vous n'aimiez plus. Regardez-moi, j'ai vérifié. Quand on passe 0-0, c'est pas grave. Préfère en gros tout ce qu'ils ont. Tu disais quoi? Je disais, j'en ai flash au boulot. Il a été volé, j'ai vu. Il est tombé. T'as vu comme il est tombé comme un joueur? Attends, viens, s'éloigne. Non, je disais, c'était marrant. Il est tombé comme un fruit mûr. J'ai vu. Dans la flashball 2, oui, j'ai vu. Ah, seigneur, peut-être aller voir. Par contre, ouais, mais on n'a pas trop. C'est pas trop fort. On a d'autres gens à arrêter, nous. Escúchame, hermano. Je comprends, seigneur, et moi j'ai d'autres mères à baiser. Estamos aquí en el rancho, hermano. Triple zéro. On prenne pas trop bien l'espagnol. Estamos en el rancho, hermano. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Está en nuestro barrio. Attendez, je vous attends pas. Venez. Voilà. Ouais, vous me disiez, collègue. Vous en avez pas attrapé un autre sur le toit? J'en ai attrapé deux sur le toit. Un là-bas, okay. Avec un cocktail Molotov. Okay. J'en ai tiré sur un qui est tombé du toit comme un fruit. Ça reste avec les deux cadets, avec la fille là. Ok, bon, on en a cassé. La jeune fille, soyez gentil avec la jeune fille, je la connais. T'inquiète pas, merci, bien joué. Elle a dû se faire entraîner par les autres. Les collègues, ils sont en voir, les collègues, ils sont en voir. Oh, ça. Merci, seigneur, merci. Ok. Passe tous. Préfet. Ouais. Comment ça va? Ah, vous avez les armes? Bien, claro, tenemos las armas. Ouais, c'est Michel. Estamos en notre barrio aquí. C'est votre barrio? Ouais. Claro. On fait un peu la perquisition. Vous pouvez ranger l'arme, ça me stresse. Claro que no. C'est Michel, Michel. Claro, pero no voy a tirar. On savait que vous avez un espagnol aussi affûté que le mien. Claro. A ti te gusta el gato. Tous devant l'entrepôt. Claro. Tous devant l'entrepôt, tous. Ne me pointez pas avec l'arme, je suis un policier aguerri. Claro, okay. No voy a tirar. Ah bon, bah, je préfère. Ah, vous avez un permis pour l'arme? Claro que no, yo soy un gangster, hermano. Ah oui, d'accord. Capitaine. Ouais. Le monsieur en face de moi, il a une arme et il a pas de permis. Qu'est-ce qu'on en fait? Ah, vas-y, arrête-le, Michel. Qui? Monsieur, je vais devoir vous arrêter sur ordre du commandant. Escúchame, hermano. Actuellement, c'est pas le moment de m'arrêter, hermano. Ouais, c'est pas le moment, Michel.
Ah, d'accord. Después, después. Finalement, le capitaine a décidé que ce n'était pas le moment. Claro, hermano. Est-ce que le jefe est là? Claro, el jefe está detrás. Ah, puis-je aller lui présenter mes respects? Non, non. Claro, claro, si quieres. Vamos, bon. Vale, vale, vamos, vamos. Vamos, sigueme, sigueme. Michel, jefe. reste là, Michel, reste là, tu restes là, tu restes là. T'inquiétez pas, je les connais. Non, tu restes là, Michel. Tu restes là, tu restes là, tu restes là. Qui laisse parler le jefe, Miguel? Il s'est attrapé des gens depuis tout à l'heure, j'ai pas envie. Reste là, Michel. Ça va, je reste là, il vient à moi. Jefe, tenemos Miguel qui quiere hablar contigo. Parle avec toi, jefe. Bonjour, comment ça va, jefe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous Je pars pas avec toi s'il y a tes chiens d'attaque derrière. Avance. Non, tu restes là, Michel. Non, il ne viendra nulle part. Vous on reste là, pas, Michel. Je le connais depuis des années, il va y m'arriver. Ok, mais c'est un ordre. Voilà, bah, tu restes là-bas, capitaine. Michel. Je ne peux pas venir, j'ai reçu un contre ordre. Mais... Bah, moi, bon, moi j'ai reçu un ordre aussi, je peux pas avancer. Ok, mais bah, il avance pas, alors il parle ici. Bon, on peut parler là. Écoutez, du coup, comment on fait? On prend l'argent, on prend pas l'argent, comment on fait? Bah là, il y a 6 otages qu'on a allé choper en ville qui sont en route, donc on attend. Non. Bref, mais pourquoi tu veux des otages alors que tu dis juste pour un agent, je te rends ton argent? Ah, tu veux les Hermanos aussi? Tu veux quoi d'autre? Attends, parce que t'as pété des Hermanos là-bas. Ouais, ok. Ouais, quoi, bah, donc on fait un échange? Ouais, claro. Ok, allez, vas-y, je vais te ramener l'argent et tu me ramènes l'argent et moi je te ramène les mecs, c'est bon? Alors là, il fait casse les bêtises. C'est bon? Pas kidnapper les gens. Mais on a rien fait, on est chez nous. C'est bon ou pas? Estamos en nuestro barrio, hijo de puta! Super, ramène l'argent. On a rien fait. Ramène l'argent, s'il te plaît. Ramène l'argent. Refait. On fait une perquisition, c'est légal. Et là, vous faites. Mais cette perquisition, vous m'appelez, vous me demandez la permission, je vous ouvre. Ça sert à rien de venir, de tirer et tout. Là, vous êtes. Toi, écoute-moi, toi. La prochaine fois que je te vois au barrio, je te jure, je t'en mets une entre les deux yeux. C'est bon, pas? Laisse-les. Non, lui, toi. Tu tombes dans barrio, on est tranquillo. Je te jure que je te vois au barrio, je te tue. Calmez-vous. C'est bon, pas? Moi, je fais qu'obéir aux ordres. Ouais, t'inquiète pas. Viens au barrio, demandez à manger, demandez ci, demandez ça. Mais vous êtes énervé contre moi. Recule, Michel. T'emmerdes. Je suis toujours sympathique avec vous, toujours arrangé. Michel, c'est bon, recule. Michel, recule, c'est bon. Je suis en train de discuter, je peux parler, ça vous embête pas, vous voulez aussi me mettre un bail. Tu me parles pas. Michel, c'est bon, recule. Recule, Michel, je suis énervé, c'est bon ou pas? C'est bon, Michel, c'est bon. Je suis pour rien, calmez-vous, moi je fais que mon travail. Michel, reviens de l'autre côté des barrières. Je vais être dans la salle de pause, à boire le café avec le donut. C'est bon, Michel, laisse-le. Il est énervé là. Regarde, je suis énervé, je tremble. Il est énervé, regarde, c'est bon. J'ai envie de niquer quelqu'un, attention. Non, Michel, arrête, c'est bon, Michel, c'est bon. Non, on va pas en arriver là. C'est bon, allez, recule, Michel, c'est bon. Laisse-le. On peut même pas parler avec les gens maintenant. Bon, pourquoi il met 30 ans, s'il vous plaît? Je veux le retard, je crois. Non, mais il est vénère là. Viens, on recule. Là, les veines qui sortent et tout. Je tirerai pas dessus parce que moi, je vous aime bien. Non, ouais, t'inquiète. Repasse demain, je vais bien t'aimer, tu vas voir. Repasse demain. Je reviendrai demain. Il repassera nulle part, il repassera pas. Vas-y. Vas-y, tranquillo. Somos bandidos! Ouais, bien sûr. Tu suis les ordres, on va dire, c'est ça. Le négociateur. Ouais. On veut juste prendre notre coach là-bas, c'est carré pour toi. Y a un agent qui peut ramener leur voiture, s'il vous plaît? Comptez la garder pour moi, leur peine. Je plaisante, bien entendu. Vous pouvez ramener mon agent, s'il vous plaît? Ouais, on fait les préparatifs, on te ramène. Les préparatifs? Préparatifs de quoi? Il faut qu'on rentre, seigneur. Claro, ouais, ok, d'accord. Bah oui, seigneur. Vamos a rentrar, hermano. Tu es rentré à la maison. Non, pour l'instant vous la prenez pas. Somos bandidos, hijo. Ok, bon, regarde ce que je te propose, Jefe, tu m'entends? Regarde, je te ramène. Tu m'entends, Jefe, ou pas? Ouais, il t'entend. Ok, je te ramène deux prisonniers. Tu me ramènes mon agent, après je te ramène deux prisonniers et je te ramène l'argent. Ça te va? Non. Ah non, on a qu'un otage. Ah oui, merci, vrai. Vous en avez pas 6? Bah, ils arrivent, mais. Ils arrivent, les On parle des otages pollos. Écoutez un peu le jefe, por favor. Ah, ouais, non, ok, bon, comment tu veux qu'on fasse ça, jefe? Hein. Tu me ramènes tout, hermano. Ton agent, il va courir vers toi. Et nous, on se barre. Et vous barrez également, d'ailleurs. Ok, mais c'est à quel moment que tu passes l'argent, du coup? La plata, tu la mets dans la côté derrière toi, celle-ci. Ah, ok. Et toi, t'es trop fort, jefe, la vie de ma mère. Sur la Santa Maria, t'es. Mettez l'argent dans le coffre, s'il vous plaît.
Vas-y, je la mets. Tu mets tout l'argent là, KB. La vida de mi jefe. Pose l'argent, le pollo. Pose je sais pas, il y avait un million et quelque chose. Ouais, il y avait 1 150 000. 1 150 000 exactement. Pas un dineros de moi, seigneur. Ouais, beaucoup d'argent, hein. Il y a l'argent dedans. Travaille légalement pour l'avoir. El dinero para abrir un tacos. Mais attends, mais du coup, on vous a rendu service. On a brûlé les saisies. Ouais. Merci, nous, les hermano. Dire merci. Merci. De nada, seigneur. On te remercie. Dommage, Michel. Tu vas plus pouvoir rentrer comme tu le faisais avant. Mais pourquoi Parce que la prochaine fois, on t'attrape par le chignon et on te traîne. Après, Michel, c'est le seul qui vous défend depuis tout à l'heure, hein. J'ai juste obéi aux ordres. Ouais, Michel, tout, bah, c'était un bon avant. Hein. C'était un bon, Michel. C'était un bon. On va devoir te traîner par le chignon. Vous allez rien faire. Je sais pas qui se passe et tout. Moi, on va rien faire. Bah, demande à tes agents, les 8 agents qui étaient à genoux tout à l'heure. Ah bon. S'ils ont pas vu leur vie défiler devant eux. Comme d'ailleurs Soulax et Samuel, s'ils ont pas vu leur vie défiler devant eux. Pour moi, vous êtes des gens que j'aime. Ramenez les 4 là, vous les mettez ici là. Sur cette ligne là, s'il vous plaît. Ouais, les 4 sur cette ligne là. Vous soyez pas hostile à mon encontre. Escúchame, Michel. Tu eres en nuestro barrio. C'est notre zone ici, hijo. Il a changé de métier, seigneur. Bon, du coup, c'est bon, on fait l'échange? Ou on passe la nuit ici? Parce que moi, à la base, je voulais rester à la machine à café, manger des donuts aujourd'hui. J'étais obligé. C'est bon, raconte pas ta vie, Michel. Oh, ça va. Il en manque un, là. Ah, il en manque un, même deux. Non, je crois qu'il est en train de manger quelque chose. Il y en avait deux sur les toits, il y en avait deux à gauche. Ok, on en a 4. Ils sont partis, je sais pas qu'est-ce qu'ils, je sais pas où ils sont, on en a 4. Sur la ligne. Vous avez frappé un entrée allemand? Il est tombé du toit. Oh, non, non, simple. Moi je t'ai vu, tu l'as frappé, arrête de mentir. Il y en a un qui est tombé du toit. Mensonge, je t'ai vu le frapper. Je me tais pas, bande de... Attends, les négociateurs, j'entends... Il est tombé du toit. Il est tombé du toit, frappé un allemand à moi, là. Oh, on fait l'échange comment là? Je sais pas, j'en sais rien, j'irai les gronder si tu veux après, tu portes plainte. On fait l'échange comment? Je sais pas, on va voir comment il veut. Oh, c'est simple, vous donnez la plata aux otages, on l'a mis dans le coffre, elle est dans le voilà, perfecto. L'argent est dans le coffre. Et le pâté avec la coachée, voilà, tout le monde est bien, et puis voilà. Tout finit bien. Ça a pas tiré, y a rien, c'est perfecto. Ah bah les enfants, vous avez fait bêtises aujourd'hui. Hein. Ouais, ça arrive. Ouais, en vrai, on va faire ça, s'il vous plaît. Pourquoi on parle pas? Je me suis fait pied un peu sale. Voilà, nickel. Vous êtes vraiment trop intelligent. J'ai plus l'impression que c'est vous qui avez fait les bêtises, monsieur. Quoi, la Santa Maria. Bah si. Bah non, j'ai pas fait des agressions comme ça, regardez ce que vous lui avez fait. Qu'est-ce qu'il a lui prend la conscience. Hermano, vous l'avez frappé. Il est tombé du toit lui. Ah, il est tombé du toit lui. Il n'est pas tombé du toit, vous l'avez frappé. Oh, écoute, on t'a pas demandé ton avis. Et d'ailleurs, enlève-moi vos masques là, enlève ton masque. Attends, je t'en ai frappé, on m'a frappé. Enlève ton masque. Ça va aller. Je crois que je vais vraiment attacher. Ah oui, bien sûr, je l'enlève. Vous avez à marcher. Ça va, monsieur. Je l'ai arraché. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a molesté? Racontez-moi. Qui a osé faire ça? Bah, c'est Louis, celui qui se tient devant lui. Il est tombé du toit. Il est tombé du toit. On t'a demandé ton avis à toi. Je m'en fous que tu me demandes mon avis ou pas, je le donne. Qu'est-ce que tu as? Tu vas me faire quoi? Messieurs, s'il vous plaît, ce sont des êtres humains. Traitez-les avec respect, merci. Ah ouais, ils nous traitaient avec respect quand on était chez eux. Ils nous traitaient avec respect quand on était chez eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont... Ils sont désagréables avec... Allez, fais ton travail. Avec respect. Ouais, allez. S'il vous plaît, alors. Soyez humains, hein. Attention, si la situation vous agace, vous circulez. Mais t'inquiète pas, triple zéro. Vous allez où? Venez, monsieur. Mettez-vous là. J'ai pas le temps. Ça va, monsieur. Vous voulez que j'appelle un médecin? C'est qui doit aller pisser? C'est qui? Je peux l'accompagner là? Ils veulent qu'on retire la barrière? Bien sûr, on retire la barrière, pas de problème. Non, mais... Vous êtes apparemment, c'est moi plusieurs collègues qui demandaient à la radio, c'est confirmé, vous êtes tombé du toit. Vous avez l'impression que vous êtes battu comme un plâtre. J'ai appris sur le terrain. Mais je vous assure, vous êtes tombé du toit, monsieur. Ça va? 36. Vous me ramenez mon agent, s'il vous plaît? Ça va. Ok, bah super. Je suis désolé, vous avez vu, moi j'ai essayé de calmer les choses, de vous désarmer gentiment. Merci. Bah non, c'est pas la même chose. Je supporte pas la violence, c'est que la violence là, c'est... Il y a de la chance qu'il n'ait pas fait péter le cocktail avec moi. Je sais que vous êtes pour ça que je vous parle. Avec correction, respect, j'ai bien vu que franchement, vous aussi, ouais, juste quand je vois les wagons, j'essaie de l'esquiver le maximum possible, sinon, à part ça, ouais.
Parce que ça, c'est ce que tu penses, le poyos. Mais moi, il n'y a pas peur de la mort. Il va mourir avec un poyos. Il va mourir avec un poyos. Il est ce que tu as été plus vite que moi. Vraiment que dans quelques. Hein? C'est ce que vous voulez. À l'art trouvé, il y avait 4 voitures. Comme ça, mais t'es fait comme ça. J'ai fait mon maximum là pour que ça se passe bien pour vous là, les jeunes. Hein? Oh, tout va bien. Quoi donc? Juste là, le cadeau, bah, j'ai tout vu, j'ai tout vu, c'est des bâtards. Je veux faire la ta gueule. J'ai vu Louis là, ce Louis là, c'est Louis qui t'a frappé, c'est Louis, je l'ai vu. Je le répète encore une fois parce que après ça va m'agacer. Ayez un langage courtois et correct avec les prévenus, d'accord? Bon, essayez de voir tes hommes là, qui les racistes là. Soyez professionnels, s'il vous plaît, hein. Vas-y, collègue, si vous pouvez me choisir. On a très bien entendu. Non, mais pas pour me faire plaisir, le fait. Ok, bon, il y en a un qui a dit une dinguerie, tu t'en occuperas, Réfé, t'inquiète, je te fais confiance au moins pour pas être un slave, toi. Je suis désolé. Du coup, mon agent, des langages utilisés à votre rencontre lors de cette arrestation, je vous présente mes excuses en tant que. Vous attendez quoi? Ouais, y'a pas de soucis, monsieur. Vous êtes vraiment un bon, vous. C'est pas comme vous mieux pour vous attendez quoi là? Bon, je vais remettre. Bon, remettez les vacances derrière le conteneur rouge, s'il vous plaît. Allez, venez, on est reparti pour une heure parce qu'il casse les couilles. Qu'est-ce qu'il y a? Derrière le conteneur. Allez. S'il vous plaît. Vous aidez à vous asseoir, monsieur. Si je vous. Ça vous embête pas, merci, hein. Monsieur avec le bob là, très élégant d'ailleurs. Voulez-vous bien vous mettre derrière le conteneur rouge? Merci beaucoup, monsieur. Voilà, vous restez là. Allez où la jeune fille? Bougez pourquoi pas. Pourquoi la devrait attendre une minute de plus? Pitchounette, voilà. Alors de contenir. Pardon, je pourrais passer. Tout le monde écoutez, reste là. Étant donné que je... Bon, 30, je t'occupe d'eux. 30, je t'occupe d'eux. Reste ici, je t'occupe d'eux. Ah, ok. Je vais m'occuper d'eux. Voilà, je reste avec vous derrière le conteneur, vous tenir. Monsieur, j'ai soif, vous pouvez me ramener de l'eau, apparemment, en favor. Capitaine, il y aurait... Ah, moi aussi, j'ai soif. Bon, apparemment, si... Cadet, trouvez-nous à boire pour moi et la demoiselle, elle a soif. D'un agent pour toute la lespie. Donc, on va rentrer au commissariat avec l'argent et les vacances. Ok, les gars. Elle va nous trouver ça en deux-deux, c'est fantastique. Bon, je vais pas tuer toute la lespie. Il est en passé qu'une, parce que j'en ai besoin aussi. Parce qu'il est pas content, c'est normal. Hein? Ok, bon écoutez, j'en ai marre d'attendre, vous me ramenez mon agent. Il y a des véhicules à chercher là-bas, ils sont 12. Ah, par là-bas, dans la rue, il y en a plein, il y en a 3. Ok, garde-les. Qu'est-ce qui arrive? Là, j'espère, Lou, elle va bientôt arriver, parce que sinon, on va tous les deux mourir. Monsieur, j'ai demandé aux autres cadets. Ah, vous savez? Écoute, ouais, moi, vous je vous donne ça. Allez, posez-moi ça par terre. Vous allez démenoter la jeune fille et vous lui donnez à boire. Oui, bah, allez. Jeune fille, viens ici, viens pour boire. Approche-toi de nous. Comment tu t'appelles, jeune fille? Ok, oui, vous faites rentrer. Attendez, je donne à boire. Ok, faites avancer les wagons, s'il vous plaît. Allez, ça avance là, t'es sûr? Ah, merci pour le caprice. Ouais, faites avancer les wagons, ça va. Nice. Ouais, viens avec moi. Monsieur Michel, je la prends vite là-bas, pas encore. Ouais, vas-y. Venez, madame. Ça, faire allez, quoi, ici. Un hermano de la Poyo, des Poyos, il se met dans le véhicule de Poyos. On se parle devant moi. Un mec de chez nous. J'ai pas compris, donc devant moi. Ça, chacun le directement. Ouais, c'est cool, ça, c'est bien ça. On bouge plus. Merci. Bouge plus d'ici. Je pense qu'il a assez avancé, vous le voyez, vous pouvez même lui parler. Ok, super, je fonce dans la voiture et moi je fonce dans la voiture. Ça te va? Il faut qu'on détachez-nous. Démenotez-les, faites-les monter dans la voiture. Vas-y, allez, on les démenote. Entends-toi. On les démenote dans l'argent, ouais. Nice. Ouais. Allez hop. Une bouteille de Sprite, ça va, madame? Ouais, après, cadet, voilà. Faites un bar toutes les deux. Ouais, monte dans le véhicule de police. Non, j'ai enlevé les menottes, monsieur Michel. Parce que quand elles sont ensemble, elles papotent. T'es en train de parler de quoi? Par les chiffons. On parlait de Sprite, on disait que c'était une super boisson. Ah, exactement. Je suis désolé. Il y a des petites bulles, hein. Je suis désolé des coups et blessures qui ont été infligés apparemment par un collègue. Ah, malheureusement, ça, je peux pas vous le pardonner, monsieur. Mais non, mais moi, j'y suis pour rien, mademoiselle. Bah, si, mais vous me présentez des excuses. Apparemment, mais... lors de l'arrestation, il a résisté, il s'est pris un coup et il est tombé du toit. C'est tout ça qu'il faut retenir, parce qu'il a résisté. C'est ça, c'est ce qu'ils disent, hein. Moi, j'ai tout vu. Bah moi je l'ai vu frapper, bah, donc c'est pas grave. Alors, il faut qu'on la fasse monter dans les voitures de Magos, ils vont partir. Allez, madame, vous allez aller. Allez, venez, madame. Allez-y, madame. Ok, il manque quelqu'un, tu patientes. Oh là là, tu fais quoi? Elle a glissé, l'hermano, elle a glissé. Monte dans le cas, eux ils sont montés, maintenant tu montes aussi, notre agent ils sont montés. Notre agent, tu montes.
Tu passes pas, notre agent il monte. Tu peux nous les laisser attends, monter. Attends, non, non, il passe pas. Encore, là, tu peux allez, monter. Là, tu allez, monte. On part pas de la zone hein, avant. Voilà, vas-y, vas-y, c'est bon. Ok, du calme. Monte, partez pas de la zone, les flics. Partez capitaine, pas de la zone. On fait et tu dis, parce qu'à mon avis, il va y avoir un piège ou un truc bizarre. Capitaine. Ouais. J'ai 500 000 sur moi. T'as 500 000, t'as gardé 500 000 Ouais, ouais, ouais. Ok, nickel. Attendez, restez groupé. Restez juste. Je crois qu'il y a encore des trucs dans l'entrée. Non, non, le hangar, on fait quoi tout ce qu'il y a dedans? Il y a encore des trucs dans l'entrée. Il y a encore des trucs. Allez, maintenant, montre-moi en voiture. Y'a quoi dans l'entrepôt? Bah vas-y, bah, va prendre ce qui reste, va prendre ce qui reste. Restez là, restez là, restez là, restez là. S'il vous plaît, restez là. Allez, mes deux cadets. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, restez là, hein. Personne ne part, s'il vous plaît. DS4. Qu'est-ce qu'il y a? Toutes les unités en reste sur place, ordre du capitaine. Tout le monde a reçu. Le 5-5-5-68-01. C'est pour une plainte par rapport à une famille. Descendez de vos véhicules et gardez, s'il vous plaît, les entrées là. J'ai une plainte, moi. Non mais c'est pour une famille. Attends, attends, redemandez un par un, un par un les gars. Ils vont encore. Ah là ils ont chopé un. Radion, dors. Ah là ils en ont chopé un. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ne pas rentrer dans vos véhicules et rester devant. C'est 9-4 qui était resté en haut, on a rien fait nous. On avait dit descendre, c'était 9-4 qui était resté. Bon allez, retourne au PDP, tant pis, laissez leur là. 9-4 était assis déjà. Retournez au PDP, retournez au PDP. On leur laisse toute la cam. Bah il reste de la bœuf, ouais on laisse. Il reste plus de beaucoup de pochons. C'est 9-4-0-0-0. Ouais, retournez au PDP. 24 radio, je suis seul dans ma voiture. PDP, PDP, tout le monde s'il vous plaît. On se suit en convoi. Ça va pas. Ils ont enlevé nos collègues. Ouais, ça va pas, retourne au PDP, je comprends pas. Non mais j'avais dit, c'est un mec qui s'est kidnappé parce qu'il est isolé. Si jamais il survit, il se prendrait une mise à pied. On va essayer de l'aider quand même, mais... Il a pas écouté les ordres, gars. Au PDP, s'il vous plaît. C'est bizarre. Oh, putain. Mais c'est arrêté. C'est des fous, hein. Passez. Principe du convoi, ils comprennent pas derrière. Non, je pense que... Essayez pas de vouloir... Un collègue, c'est... Attention vite, c'est pas une course, wesh. Oh, faites attention deux fois. On a dit on fait un convoi, donc arrêtez de rouler comme des débiles là. Bordel, le parking devant. Oh ouais. 10-19 là, s'il vous plaît, salle de réunion. Rangez vos véhicules, rangez. Rangez vos véhicules. S'il vous plaît, les gars, rangez tous vos véhicules. Si vous ne pouvez pas les ranger, mettez-les en fourrir. Ah, mais celle. Tu veux que ça aille ranger la voiture? Ah oui, si tu veux le faire, petite, tu peux. Ok, j'y vais, hein, vite. Tant à dépenser d'énergie pour les vagos. Ils ont donné des revendications là par rapport à. 50 à l'injonction prix? Non. Attends, mais on leur a donné ce qu'ils voulaient. À l'étage. On a libéré leurs hommes, on leur a rendu l'argent, et après ils ont pris quelqu'un en otage du coup. Ils sont touchés dans leur ego. Ouais, parce qu'ils s'ennuient. Allez, toutes les unités s'il vous plaît, Merci, salle de briefing. Oh. Dis-ce qu'à nous arrivons. Du café, je crois. Quelqu'un parle là, j'entends pas. Hein. Non, j'entends que tout le monde. Okay. Non, personne parle. Je me mets sur le côté. Salut Alvarez. Chut. Criez bien pour que je vous entende bien, s'il vous plaît. 259 pour radio, est-ce qu'on a toutes les unités en dispatch?
10-5, Nora 17, j'arrive au poste. Bon, je pense qu'il y a pas tout le monde. Non, il nous manque quelques agents, 2 ou 3. Tu étais là, 5-9, pour la descente? Ouais, ouais, j'étais là sur la descente, j'étais sur le toit, j'ai descendu quand on nous a demandé de descendre. Okay. J'étais avec 20 sur le toit d'ailleurs. Bon, entre autres, même si là je sais qu'il y en a pas mal qui sont frustrés hein, ou un peu pas contents, en vrai, là on les a bien affaiblis, puisque je crois qu'on leur a pris pas mal d'armes, pas mal de cocaïne, il leur reste de la beuh et de l'argent, mais... Si, il leur reste de l'argent et, ouais, de l'argent et pas mal de pochons de beuh, mais, mais ça va, ça va. C'est pas le groupe le plus facile, les Vagos, et je trouve qu'on s'en est relativement bien sortis. Non, mais là, si je peux me permettre, mon capitaine, là, sûrement qu'avec la prise d'otage de 94, ils vont redemander ce qu'on leur a pris. Hein. On leur a rien pris. Ouais, parce qu'il nous reste plus rien. En fait, là, il nous reste plus rien. Leurs armes ont explosé dans le coffre. Leur, C'est ça qu'il nous reste des pochons de qu'on leur avait positionnés. Je l'aurais pas pris, moi, les pochons. J'avais plus de place sur moi. Ils ont explosé dans les coffres. Oh, moi j'ai récupéré 500 000, mais ils sont tellement mal organisés qu'ils ont même pas remarqué. Ok, écoutez, regardez, ceux qui ont pris, vous faites un topo dans le truc de ce que vous avez. Comme ça, au moins, on est clair et net. Vous les notez sur l'intranet. Ouais, voilà, vous les notez dans l'intranet, comme ça, on sait ce qu'il y a. Avec une petite idée. Donc, du coup, quoi, Roda, de l'argent et des pochons. C'est ça, ouais. Il y a un agent pris en otage. 500 000 dollars. Et 9-4 qui a été pris en otage. Je vous explique pourquoi. Parce, ouais, parce qu'il est resté assis sur le toit et comme un peu et voilà, c'est fait. Assis, 9-4 et ouais, en dépression. Bon, de toute façon, j'avais prévenu avant. Hein. J'avais dit si jamais il y en a un qui se fait attraper parce qu'il était isolé et qu'il n'occupe pas les ordres, il prendrait une mise à pied. Donc non, là, Captain, malheureusement, ça tombe sur lui. Ouais. Si je peux me permettre, il a déjà eu 4 blâmes, il est viré. Je ne veux pas me prononcer moi parce que, en fait, vu que j'ai déjà mis une mise à pied, j'ai pas envie qu'on dise que je m'acharne sur lui. Donc 5-9, si au pire tu veux t'en occuper, tu t'en occupes. C'est quand même un membre de l'équipe, il a été kidnappé, c'est très grave. Bah oui, je sais, mais pour l'instant on n'a pas de revendication. Pour l'instant on n'a pas de revendication, donc sinon bien sûr que j'ai dit avant de le virer, on ira le sauver, si jamais on a des revendications. Ok, eh ben en tout cas, félicitations à vous, bravo, et on remet ça, hein. Merci à vous. Merci à mon capitaine. Moi, j'ai juste une petite remarque à faire remarquer à certains agents. J'en voyais beaucoup dans des situations comme ça. Vous savez que ça peut dégénérer, etc. Vous êtes en plein milieu, vous ne faites rien, vous ne bougez pas. Essayez de rester souvent à deux. Essayez d'éviter de rester seul. Ça évitera de vous faire prendre en otage. Et surtout, essayez de rester à deux et regarder derrière, etc. C'est le plus important. Bon, allez, on part en patrouille, les collègues. Dame qui était sur le côté, là. Quelqu'un a un truc à dire, à ajouter, c'est bon? Ah bon, on fait quoi pour du coup l'agent Imo? La prochaine fois. Ah, 50, est-ce que je peux te voir 2 minutes s'il te plaît? Ouais, 72, viens. Lieutenant, puis-je vous parler un instant dans votre bureau? Là, s'il vous plaît. Bon coup. Et venez, Michel. Ouais. Oui. On va se mettre ici. Que ça dégage un peu. Voilà, C'est privé ou je peux être là? Oui, allô? Ah non, vous pouvez, rien n'est privé pour vous, capitaine. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Dans la scène de votre commissariat. Non, mais t'aurais le droit, Michel. C'est par rapport au fait de mon statut de délégué personnel et syndical. Est-ce que vous pourriez mettre une soufflante à certains des sergents qui ne prennent pas au sérieux, ce qui est très mauvais? Parce que bon, je suis là un peu pour temporiser quand les problèmes et dissoudre les tensions. Okay. Et ils pensent que c'est un rôle fantoche, et ils se permettent des libertés avec moi, en tant que délégué personnel, délégué syndical. Je ne peux pas laisser passer, vous comprenez, mon lieutenant? Écoutez, Michel, vous avez un rôle très important ici, ok? Merci, mon lieutenant, j'apprécie que vous le... Grâce à vous, on a du papier toilette double épaisseur. Avant ça, on n'avait même pas de papier toilette. 38, 10, c'est un grand pas. On a des horloges réglées. Ouais. Exactement. Merci. Quoi d'autre? On a plein de choses très importantes grâce à ça. La nouvelle machine, voilà, qui fait aussi double latte et qui fait l'été aussi. Les petites boules pour les sièges dans les voitures qui massent le dos toute la journée. Bon, moi, ça, je suis pas très fan. Ah bon? Non, mais si vous voulez, on va recevoir de Chine des petits tapis massants pour les pieds, pour la voiture et pour le dos. Mais parfait. Michel, dites-moi de quel agent vous faites allusion? Bah, c'est surtout les sergents, le sergent 21 et les autres, voilà. 59 aussi. Ah, ok. Tout l'état-major, c'est 55, juste 55. À part vous deux. Ça bon, écoutez, courtois, comme par hasard, à part nous deux. Comme par hasard, hein. Nous, tu nous aimes bien. Oui, pourquoi? Capitaine, je vous le cache pas, je vous aime bien. Qui doit porter plainte?
Dame 24, 10, 41, tout ça. Okay, allez, c'est fait, bon, je suis venu, j'ai vendu la chemise pour vous. Non, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, c'est vrai, Michel. Justement, le commandant, il était pas content. C'est... Une heure, il a râlé dans la voiture. C'est une plainte chacun. C'est insupportable, parce qu'il est avec une femme, on dit. Ouais, voilà, c'est bon, tout. Bon, par rapport à ça, on va faire une réunion, ok. Une plainte parfait. 92, c'est où? Eh bien, merci, mon lieutenant, j'apprécie... que vous considérez que je fais un bon travail, c'est un plaisir. Juste une chose, Michel, on fait notre prise de service, faites court dans la radio, ok? Ouais, vous avez raison. Voilà, c'est vrai. Merci, bon, allez, à plus tard, Michel. Pourquoi vous restez pas dans le couloir là comme ça? Boule, lieutenant. Là, moi je dois vous parler, capitaine. Vous avez tiré flash boule? Ouais, sur un gars qui était sur notre toit. Ouais. Il a tiré il sur deux mecs. Il est tombé comme un fruit bien mûr, il s'est écrasé comme une figue au sol. Ah bah félicitations Michel. Ça m'a fait rire. Oui. Vous avez encore... Il a un bon tir. Ah ouais, il a une bonne idée. J'ai pas fait exprès, j'étais en train de recharger, c'était enrayé, j'ai enlevé la boule. Allez les poulets, on sort là. Dites-moi 92, les recrutements. On sort les poulets. Vous avez eu des personnes tout à l'heure, non? Pardon? C'est pas possible. Pour les recrutements, vous avez eu des personnes tout à l'heure qui sont venues? Allez, on sort les poulets. Moi je m'occupe pas des recrutements. Arrête de crier, 75. Appelez vos animaux, s'il vous plaît. Mais oui, il y a eu des personnes tout à l'heure. Désolé, 14. Ah, c'est bien, les petits, vous avez bien œuvré, hein. Ouais, c'est ce que je leur disais, justement. Un petit coup de fil, hein. Ok. Bon, allez patrouiller, là. Pourquoi vous êtes dans les putains... Allez, tout le PDP, allez patrouiller, je vais péter un câble, là. Allez, on patrouille. Vas-y. Alors, en effet... Ah non, me boudez pas. Très bien, permission. Répondez-moi. Ouais. Voilà. J'ai fait au mieux hein, pour vos hommes, hein, sachez-le. Après vous me détestez peut-être, mais voilà. Ouais, vas-y, va te faire enculer. Attendez avant de raccrocher, d'être véhément. Tu veux quoi? Ouais, vous avez kidnappé un policier, semble-t-il. Il est mort. Permission. Adieu. Comment ça, il est mort? Ah non. Non, capitaine, est-ce que vous pouvez donner la plaque au nouveau cadet, s'il vous plaît? On a fait le recrutement et tout est parfait. 4 des 10, je te laisse avancer vers le capitaine. Alors, il est où le capitaine? Je sais pas où il est. Ah, venez, on va. On s'en va. Ok. Ah, venez, dépêchez-vous. Sure. Évite de dire. Ouais, c'est moi. Évite de dire, t'inquiète. Non, mais laissez ce poulet tranquille, c'est la mascotte. Vous inquiétez pas, plutôt. Ah, ok. Oh, mon lieutenant. Mais je le connais. Oui, mais c'est pas une raison. Mon lieutenant. Lieutenant, 2 secondes. Michel. J'aimerais vous proposer à votre approbation le fait. De faire passer officier à ce jeune cadet très prometteur. C'est possible? On parle de dimanche ou lundi? D'accord. Ouais, faut dimanche. Ouais, radio, j'écoute. Très content. Braquage. Ah, on a un braquage, Samuel. Parfait, bon, allez, à Michel. Oh. Allez, au revoir, capitaine. Tu viens de dire que c'est nul! Mais je rigolais. Ce n'est pas nul, ce n'est pas vrai. Non, je sais, c'est pas vrai. Triple allez, zéro, toi, par contre, t'es très compétent. Ah, arrête de piquer, toi. Ah, attendez-moi, triple attention zéro. Attention la poule, regardez comme elle est belle. Ah, regardez ça, c'est la belle cocotte, ça, hein. Vous voulez la prendre? Va utiliser les tests, remets à votre check un peu de patron, s'il vous plaît. Adam 38, code 4. Gré, oh, pichonnette. Oh, vous croyez qu'elle fait des œufs en or? 14. Non. Il a mangé, déjà, c'est bien. Allez, on y va. Allez, belle, la petite poulette, hein. Ça va pas l'écraser, hein. À 30, tu lui as ouvert la porte. Ça a la poulette avec nous? Ouais. Eh ben on la garde, ça sera un mascotte. Okay. Exactement, allez, la tango triple 0, 10-41, tout secteur. Il y a eu 2 personnes qui vont vite par là-bas. Vous savez, moi je les repère de suite. Hein. Elle, pas elle a un petit nom cette poule? On a qu'à l'appeler Poupoule, comment ça on dira viens Poupoule, viens. Oula. Elle a.
Elle est contente si elle fait piou piou. Bon. Ah oui. Pense que c'est un coq, non plutôt. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Est-ce qu'on va pouvoir se gratter pour les œufs, hein? Les œufs, c'est bon pour la santé. Soulevez-lui l'arrière train, regardez si c'est pas un coq. Ouais, je vais regarder ça. Ouais, il semblerait que ce soit bel et bien un coq, hein. Ah, oh. Acheter à boire, tiens. Ah ouais, moi aussi j'ai très soif. Ah, moi aussi vous avez soif. Ouais, très soif, hein. C'est horrible. Ben non, alors, ben non, ben non. Qu'est-ce qu'il fait? Ma... C'est quoi cette conduite, monsieur? Monsieur, sortez du véhicule, de suite. Pourquoi? Sortez du véhicule, la police là-bas, vous le demande, sortez du véhicule, maintenant. Mais j'ai fait quoi? Sortez du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Alors, mais j'ai vous fait demande quoi, gentiment. Mais... Mais c'est le... Je vais lui faire... Sors de véhicule. Voilà, oh mais seul, ça marche. Allez-y, contrôlez-le. Amendez-le. La totale. Qu'on mette bien les véhicules déjà le long du... Mais okay. J'ai fait quoi? Merci de ne pas nous apprendre notre métier, monsieur. Si mais vous j'ai fait avez... quoi? Si vous aviez à nous apprendre notre métier, vous seriez... Ça consiste, tu te veux le contrôler, hein? Il ouais, y a pas de problème, déjà vous allez me présenter permis de conduire et le papier du véhicule. C'est un poulet. C'est une poule. Un coq. Ouais. Non, permis parce que c'est un coq, monsieur. Concentrez-vous sur les dires de mon collègue, s'il vous plaît. Ouais. Alors, permis, du... ouais. Permis de conduire et papier du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, j'ai pas de papier. Ah. D'accord, est-ce que le véhicule vous appartient? C'est à l'auto-école. À l'auto-école. Est-ce que vous avez une pièce d'identité? Oui. Donnez-moi ça. À l'auto-école, ils vous apprennent à faire la marche arrière comme ça, contre ça. Ah oui, je te fais faire un créneau. Ouais, ça fait créneau. Allez, vous lui mettez la totale, un collègue. Hein. Jésus Niro, ok. Ouais, ben, quelqu'un peut vérifier la plaque? La plaque à qui elle appartient? Pas ressuscité, hein. La plaque d'immatriculation, à savoir mais à qui elle Jesus. Appartient? C'est Jésus, c'est pas Jésus. Ok, Jésus. Ressus, ça veut dire Jésus, hein? Ouais, Ressus. Oui, c'est pas Jésus. C'est juste la façon de le prononcer dans une autre langue, mais ça veut dire Jésus. Ok. Ouais, c'est vrai. Jésus de Nazareth, le Christ rédempteur. Quand on sait pas d'où vient son prénom, m'énerve pas, attention. Ok. Je vais prendre quelques minutes histoire de vérifier la plaque d'immatriculation. Je vous conseille de ne pas insister. Bien comme ça, non? C'est nickel, monsieur, comme ça, monsieur, c'est nickel. Ok. Bon, en l'occurrence, le véhicule ne vous appartient pas. Oh, c'est l'auto-école. Regardez le dernier. C'est mon moniteur. Affirmatif. Votre moniteur s'appelle Thomas. 38, on se rend sur ce cas. Je sais pas. 33, apparemment, il y a une émeute à la prison fédérale. Ah. Comment on fait du coup 4 Adam 14 si on met à la prison fédérale, on n'a pas le temps, vous mettez la main, on y va, allez, finissez le travail, finissez, mettez la main. Adam 59, nous y allons. S4, plus besoin d'Adam, ou alors. Monsieur, 54-10, vous êtes embarqué. Derrière vous, il y a des gens. Ouais. La première voiture qui arrive là-bas nous fait un état de... Allez, à régler au plus vite et vous arrêtez les marches arrière en contre-sens. Allez, monsieur. C'est pas grave. Allez, faites attention. Passez une bonne soirée. Bon, il veut pas. Bonne soirée. Négatif. Faites pas de bataille, ça. Les individus jettent des molotovs, véhicules explosés sur zone. Allez, 5-9, gère la situation, j'arrive. Vas-y, j'ouvre la porte. Adam 14, on en arrive. Adam 38, on arrive. Adam 24, ouais, sous aussi. Gouvernement, on se rend sur le dernier. Non, non, non. Affirmatif de 59. On arrive à quel endroit? Demandez à quelqu'un un camion de... Ouais. À la radio. Tango 000, on peut s'y rendre aussi, mais il faut nous indiquer l'endroit. Affirmatif. Ils ont fédéral. Pas besoin, t'as demandé 3 Adam, il y a assez, c'est bon. Ils ont fédéral. 10-4. Alors vous voyez les jeunes, quand ils disent il n'y a pas besoin, il faut toujours y aller. Exactement, comme l'autre fois, ils ont dit il n'y a pas besoin, mais ils étaient tous au braquage. Bah vraiment, personne isolé, s'il vous plaît. Oh bon, on cherche toujours 94 ou quoi? 14. J'ai été prudent. J'ai porté disparu là. Ça, c'est pas conduit, on s'achète un véhicule. Prenez, j'insiste sur les.
Sur le camion AG, s'il vous plaît, on vient de se faire recevoir des cocktails Molotov sur le véhicule, dépêchez-vous. 1469, on trouve ça où? Si vous tirez des cocktails Molotov, vous attendez, on les tasse quand on arrive. C'est affirmatif de le fait de demander un camion AO pour éviter le feu. Et ces manifestations illégales? Ouais, mais tasez les gens qui ont des cocktails Molotov et vous me les menottez, s'il vous plaît. Négatif, on n'est pas assez, une dizaine d'individus, on peut pas se permettre de descendre du véhicule pour le moment. Ok, bon, on attend et on arrive. Attendez, nous on arrive. 10-4. Ils sont à la présent, mais seuls. Pour la sécurité, ouais, c'est ça. Mon capitaine, de mettre en fédéral. Ouais. Affirmatif, préparez les boucliers, messieurs. Capitaine, ah. Je viens d'avoir une information concernant 94. Ils nous lancent des monotophes sur nous. Il y a des chances qu'ils ne s'en soient pas tirés, malheureusement. Madame 92, ils nous lancent des monotophes sur nous. Bah, tu les étais, vous venez sur le code 2. Nous sommes en route, arrêtez de paniquer, attendez. Ouais. Réunissez-vous sur le code 2, on va tous... Vous avez besoin de combien d'unités sur le code 2? 75 pour 54 et 10 sur le parking, s'il vous plaît. Oula, ouais. Madame 24, on vient d'arriver sur le code 2. Ah, oh, mais... On se bat. Bouge pas. 59 pour non. Radio, réunissez-vous, l'espérance... Tasez, s'il vous plaît. Allez, vous me tasez, c'est ça, les jeunes. Plus sergent sur place, merci. Allez, on va se faire la moto, vous la tasez. Attends, vous sortez les tasers, vous tirez, J'ouvre la fenêtre. Mais dépêchez-vous, alors. Il faut se rapprocher. Tasez-moi un. Voilà, quelle. Yeah. Allez. Vous me l'arrêtez. Laissez pas les véhicules immobiles, hein. Discate, on va essayer de taser ceux qui sont en moto. Ne bouge pas, jeune, sinon je te flash au bout, là. Allez, lâchez ce que vous avez dans les mains, je vais passer mes notes. Bien joué, ça, pyromane, avant. Faites attention, restez pas tout seul, on a déjà... 75 pour radio, je viens de revenir en radio, il se passe quoi? Prison fédérale, il y a une émeute. 06 à centrale, est-ce qu'on leur saisit leur cocktail Molotov tout bien, sûr, si c'est cocktail Molotov, bien sûr que oui. Prison fédérale, besoin... la situation est sous contrôle. Hein. Besoin d'un coup de main? 59 pour radio, arrêtez de stresser, s'il vous plaît, fille, c'est encore toi. Sécurité. Ne vous dispersez pas, s'il vous plaît. Ah bah voilà, ne poursuivez pas. Allez, menottes. Cadet, mettez-moi ça. Je m'attends. Aïe, okay. Encore elle, dit. Ah non, mais qu'est-ce que tu fais, jeune fille? Tu es perdue. Hein? Bah, je roule tranquillement. Quel est non, le problème? Non, c'est pas hop vrai. Là. Tu sais que hop, c'est pas vrai. On te prend deux fois. Mets dans le sac. Allez, viens avec nous, va. On y va, madame. Vas-y, putain. Je m'en occupe. Attendez, Okay, Avance. Attends, j'ai un peu mal au genou. Laisse-moi juste un peu le temps. Ouais. Allez, avance. Viens par là. Viens là. Viens si, avec si, moi, si, écoute-moi. Si, je vois pas, je buisson. Vois flou. Viens dans le buisson, ici. Viens là où je suis. Viens là c'est où je suis. Fais, c'est ce que je fais. Voilà, accroupis-toi. Écoute-moi je bien. M'accroupis. Je suis un vieil homme de bon cœur. Si. Tu m'as pas l'air d'être une mauvaise personne. Tourne-toi. Si, je suis retourné. Écoute bien. Si, ce que je vais faire pour toi... Si. Peu de gens le feraient, ne l'oublie pas. On appelle ça de la charité vraiment... chrétienne. Si, monte si, dans si ta moto, êtes... éloigne-toi de cet endroit. D'accord. Sois une jeune fille exemplaire, n'oublie d'accord. pas ce que j'ai fait pour toi. Si, et si, que la Santa Maria te bénisse. Suis le droit chemin de la Vierge Marie. Allez, monte sur si, ta moto, si, va-t'en. Si, dépêche-toi, si, je t'ai pas vu. Mais tu viens de te prendre un coup de taser, toi, t'es un peu trop barbare pour un mec qui vient de se faire taser, hein. Mais je viens de me faire taser deux fois d'affilée, logiquement. Ah, je... donc ça va, t'es immunisé, ok, ah pardon. Ah ouais, à partir de la deuxième fois, ça va. Allez, vous les prenez, on va les interroger comme ils causent. Tu rentres dans ce véhicule-là, allez. Demande. Ça va, Cadet, elle s'est échappée, la petite, à la petite Bourgandine. Elle m'a glissé des mains comme une anguille. Mais celle-là. Ouais, elle a glissé des mains, monsieur. Oui. Elle m'a fait un truc à la allez, vous les faites monter dans la voiture et vous les ramenez au PDP, et s'il vous plaît. Elle a enlevé et ses menottes. On ne voit plus, t'es où? Oh, elle est sur le en convoi. Des menottes. On en a combien là dans la voiture? Ah putain, je vois plus a... sortir. Ah putain, je vois plus dans la voiture. Je suis dans une Dodge avec 24 et KD. Des menottes, moi! Restez poli, monsieur. C'est bon, tout le monde est. Loge, je vais tout casser des minutes, le ouais, dépêche-toi. Allez, on avance, s'il vous plaît, on va au les PDP. Allez, dépêchez-vous, messieurs, on n'a pas toute la soirée. Vous n'aurez pas un numéro par hasard?
Vous pouvez nous démonter s'il vous plaît. Faites-le monter dans la putain de voiture et on bouge s'il vous plaît. Allez s'il vous plaît. Note-moi, vous êtes con quoi. Attendez, mais les mettre. Monsieur, ok. Ça y est, c'est stop, arrêtez de parler, je m'en occupe. Ça y est, stop, c'est bon. Ne faites jamais rentrer des gens qui sont menottés. Le problème, c'est que j'aurais bien aimé le démenoter si je te voyais. Éloignez-vous. Ça, on va faire ça vite. Ok, c'est bon, celui qui est à l'intérieur, maintenant tu montes 000, tu pars avec ton cadet et je m'occupe de lui là, le dernier. Ouais, viens avec moi, t-shirt dégagé. Ouais, je vais te démonter. Voilà, merci. Merci bien. Reculez, le cadet recule. Voilà. Cadet, monte dans une voiture, s'il te plaît. Monte déjà dans une voiture. J'aimerais bien monter dans la voiture avec qui j'étais en patrouille. Ok, viens. C'est normal qu'il y ait un monsieur avec une mallette là. Ok, ouais, c'est bon, il est monté là. C'est bon, c'est bon. C'est qui ? Vas-y, viens. Ok, c'est bon, tout le monde est prêt à partir. À toutes les unités, tout c'est qui cet homme qui court avec une mallette à la main là, habillé en blanc? C'est un EMS, triple zéro, c'est un EMS. Ça va ou quoi, bébé? Oh, toi tu veux qu'on fasse ça, c'est 92, on lui a pas enlevé son arme, le mec avec toi. Calme-vous. Prenez les armes, s'il vous plaît. Je vais devenir fou, hein. Ah, t'es fou, elle porte déjà une pile de fake là. Ah, attention. Ouais, les polices, pourquoi vous avez tasé? Là, sous l'axe, regarde tes mails, s'il te plaît. Messieurs. Ouais. Ça y est, correct. Pourquoi la banalisée fait demi-tour là, monsieur, s'il vous plaît. On vous bloque. Vas-y, roule. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, je vous parle gentiment. Ah, mais moi aussi, je te parle gentiment. Vas-y, ouais, roule, s'il te plaît. Voilà, on roule, non, vous nous dites. Roule. Allez, roule. Ah, écoutez, vous savez. Oh, je vais lui mettre un coup, lui. Non, mais. C'est quelqu'un de gentil, hein, tout le monde le sait, mais faites pas ça, hein, parce que. Honnêtement. Est-ce que tu pourrais aller un tout petit peu plus vite, s'il te plaît? Parce que je suis assez pressé là. Ouais, écoutez, non, on a une réglementation policière, on doit rouler à certaines vitesses, je ne peux pas, monsieur, je suis désolé. Oh, par contre, il y a un problème, c'est qu'on m'a toujours pas enlevé les piques du taser. Eh ben, ça fait mal, je sais, on va voir. Ouais, sauf que ça, c'est une bavure, non? Je crois que c'est une bavure, hein. Vous êtes pas encore en cellule, monsieur? Pourquoi les bavures, ça existe qu'en cellule? Excusez-moi, monsieur, je vous explique, parce que vous interrogez, c'est bien normal, vous avez raison. Nous étions sur une situation extrêmement dangereuse et anxiogène avec des individus. La voiture qui est partie à droite, vous faites quoi? Qui a envoyé des cocktails Molotov. De facto, la priorité est de vous arrêter si vous avez. La banalisation est derrière. Et de vous extraire. Au cas où, les EMS, je les envoie au comico. Sauf si vous blessez, sûr, ne le permettez pas. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, vous êtes un homme viril, latino. Pas deux petits crochets. Ah, mais moi je te dis ça, ça fait mal. Ils sont dans ma peau, imagine, je sais pas, il y a une infection. Directement, il y a l'infection en deux minutes, vous avez un système immunitaire. Je sais pas. Je vous conseille un jour. Ah, à mon âge. Tous les matins. Ah, tout ça, à mon âge, c'est difficile. Quel âge, monsieur? J'arrête de compter à partir de 22 ans. Je pense que vous avez. Pas 38. Non, j'ai pas 23. Je pense que j'ai au moins 28. Oh. Au moins. Alvarez, arrête de crier. J'ai au moins 28 ans. D'accord. Bah ça va, vous êtes jeune. J'ai 28 ans, mais je suis pas gradé, tu vois. Monsieur, vous avez conscience que vous faites. Vous avez fait la grosse bêtise. Vous prenez les bagages, s'il vous plaît, vous les ramenez dans les cellules. Les retrouvez, c'est pour moi, ce que c'est donc. Non, mais là, ce que vous avez fait, c'est grave, monsieur. Sérieux, à l'arrière du PDP, si vous avez un individu. Les gars, par l'arrière. Par l'arrière, si vous avez des individus, les gars. Suivez-nous, 000, suivez-nous. 000. Ce qu'il veut. Il faut passer par derrière. 000. Eh, c'est plein derrière. Suivez-nous. Là, il faut quand même. Oh bah, on est bon. Hein. On va quand même pas lui offrir un. Comment je t'appelle à côté de moi, là? KD 06. Ah, maintenant, je suis à côté. C'est quoi cette tache bizarre là sur le visage? Et j'ai pris une déflagration de roquette lors d'une opération. Tu sais, je peux te faire la même chose avec mes mains. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Non, la vérité, t'as fait. T'as été en Irak ou quoi? Et non. Respectez mon collègue, s'il vous plaît. Allez, est-ce qu'on l'a fouillé? Fouillez-le! Non, je lui ai juste pris ce qu'il avait entre les poches. Allez, va contre le mur. Écarte les bras, écarte les jambes. Normalement, procédure, la plupart des gens. Vous le mettre en cellule. Voilà, vous lui lisez les droits. Ok. Elle a déjà lu les droits 30? Vous êtes dans les cellules, j'ai pas entendu. Ouais, 10-4. Ok, super.
J'ai apprécié de pas avoir les droits. Relisez-les, c'est pas grave. J'allais les droits. Est-ce que tu les as déjà lus? Oui, non, mais c'est pas lui. C'est pas moi qui l'a raconté. Non, non. Est-ce qu'on doit repartir en patrouille? Tiens. C'est qui ça? Vous déposez les prisonniers. Ok. Il est chef d'accusation. Ça s'appelle comment? C'est quoi son identité? Manifestation illégale. Sur les droits de Almodovar. Monsieur, le côté vous pouvez vous me donner votre carte d'identité? J'ai pas ma carte d'identité, malheureusement. Je m'appelle Soledad Almodovar. Soledad. 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 Monsieur Soledad, nous sommes le 29/1/2021. Vous êtes en état d'arrestation pour 06? Manifestation illégale et possession d'armes illégales. D'armes illégales. Cocktail Molotov. Utilisation et incendie volontaire aussi. Oui, cocktail Molotov est considéré comme une arme, monsieur. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera retenu contre vous. Par contre, j'ai toujours devant les pics, la là, cour de pas, justice. C'est pas possible de me les enlever par hasard dans le laissez bras. Laissez-moi finir. Taisez-vous. Ah, mais j'ai quand même des pics dans le bras. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas un vous sera commis d'office. Oh, voilà. Vous avez droit à de la nourriture, de l'eau en quantité suffisante ainsi qu'une assistance médicale. Avez-vous compris vos droits? C'est parfait, on va pouvoir le libérer. Bien joué, cadet. Ouais. Ah, cadet, bah voilà. Monsieur. Allez, bonne cadet, journée alors. Non, monsieur, ne bougez pas. Par contre, j'ai pas fini avec vous. Mettez-vous contre le mur. Apparemment, je peux partir. Mettez-vous contre le mur. Je reviens. S'il vous plaît, monsieur. Non, cadet, reviens ici. Cadet, tu reviens immédiatement, sinon je te mets à pied. Tu as compris? Ah, excusez-moi. Cadet, tu reviens immédiatement, sinon je te mets à pied. C'était quand juste pour leur parle, dire comme si quoi. Si tu t'en vas, je te vire, tu as compris? Ok. Ouais. Est-ce que tu es médecin, cadet? Tu es médecin, réponds non. Réponds à ma question. Non, je suis pas médecin, mais je connais tu les gestes. Cadet. Pourquoi tu prends des initiatives? Réponds doucement, doucement, à ma crie pas question. Comme ça, surtout pas devant les gens. Par contre, il y a du respect, par contre, le respect va dans les deux sens. Okay oui, ça m'aurait pas plu comment tu aurais pas géré ton temps. Monsieur, mettez-vous sur le mur. Donc là, contre le mur, on va finir ce qui se passe, dépêchez-vous. Monsieur, mettez-vous contre le mur. Révolte-toi. Par contre, monsieur, oublie pas tes larmes. Une obstruction à la justice, ça peut le faire, ça fait 3 fois que je vous demande. J'entends pas, collègue, vous pouvez y aller. Je suis à moitié... Monsieur, allez contre le mur. Contre le mur, voilà. Je suis à moitié sourd, en fait, vous moulez et vous ne bougez plus, c'est clair? Voilà. Cadet. On peut ou pas? Tu es un crétin. Tu vas m'entendre bien haut et bien fort. Tu n'es pas médecin. Tu n'as pas prodigué de soins à un prévenu. Donc là, il n'a pas fait des soins. Il a enlevé les crochets du taser. Il est médecin? Bah donc c'est pas médecin. Non, nous, en tant que flic, on a habilité à faire ça. Il n'a pas le droit à le faire. Eh ben écoutez, vous savez quoi, 000, mettez-moi à pied, j'en ai rien à foutre, c'est bon. Non, vous revenez ici. Je vous parle. Vous m'écoutez. Ça y est, faut pas me faire chauffer en fait. Faut pas venez me faire chauffer. Ici. Il y a du respect dans les deux sens. Il y a rien du tout du respect. Vous écoutez. Écoutez-moi. Vous avez fait une erreur. Taisez-vous. Incroyable ça. J'ai 35 ans de métier. Je vous apprends le métier. Vous avez fait une erreur. C'est normal que vous fassiez avoiner. Si vous êtes intolérant à la frustration, allez donc dans un parc d'enfants jouer au bac à sable. Vous n'êtes pas un enfant. Jusqu'à présent, tous les policiers ont retiré. Vous avez 8 ans. Non, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler maintenant. Vous répondez oui ou non? Si. Triple zéro. Non, si je suis pas un enfant maintenant. C'est qu'on a habilité à pouvoir retirer. Non, vous n'êtes pas médecin. Quand une personne est blessée, vous n'avez pas la toucher. Je m'appelle Juan Pablo. C'est un vice de procédure. C'est pour ça. Dans ce cas-là, on va tous faire le relâche. Arrêtez de me parler dessus. Eh ben, on le relâche. C'est pour cela que l'on demande si les gens ont besoin d'un médecin et qu'on fait appel à un médecin. On l'a toujours. Vous n'êtes pas médecin. Ouais, et là, bon, ouais. Ceci étant, il va quand même aller en prison. Voilà. Ah, tu me frappes, toi? Tu me frappes, cadet. Toi? Hein? Ben voilà, le problème est réglé. Ah, ben voilà, il ira quand même cadet, en prison. Cadet, tu l'avais fouillé? Cadet, hein? J'avais fouillé. Ici, cadet. Non, il m'a dit que non. Il a dit que non. Ah, il m'a frappé. Si, j'avais pris ça. S'il te plaît, 06. Merci. Il m'a frappé. Tu demandes à 30, on est d'accord, il m'a frappé. Il n'y a pas de sondeur ici, vous parlez avec qui là d'ailleurs? Ce n'est pas grave, cadet. Ouais, je sais, mais il se plaint. Je t'engueule pourquoi? À ton avis. Arrête de simuler. Oh, parce que j'ai fait une erreur. C'est qui essaie de nous sauver? Dites-lui qu'on ne veut pas être sauvé. Tu ne feras plus cette erreur. Dites-lui qu'on ne veut pas. La vie de ma mère, je vais baiser sa mère. Tu comprends? Parce qu'avec une erreur comme ça, tu peux te faire virer.
Allez, on veut pas être sauvé. Je prends sur moi parce que c'est moi qui te forme. On veut aller en prison pour avoir fait une manifestation illégale. On veut pas être sauvé. Il aurait attendu sagement, il aurait été en prison. Il aurait demandé le vice de procédure. On aurait été obligé de dire la vérité parce que c'est notre travail de dire la vérité, d'être honnête. D'accord, Canet. Et là, il aurait été noir que comme il a fait l'idiot. C'est un crétin, mais le crétin va quand même sortir. Attendez, laisse-moi prendre la pause. Donc finalement, c'est comme la petite maison de la prairie. Tout se finit bien. Mais on va se moquer de lui maintenant. Ok, je comprends. Attends, pousse-toi, 30, pousse-toi. Hé, où il va? Arrête. Mais il est fou. Tu bouges pas, tu as compris, on te l'a dit trois fois de pas bouger. Je ramasse mes lunettes, t'es bête ou quoi? Tu ramasses tes lunettes, tu ramasses rien du tout. Mais toi, reculez-vous, sinon il peut pas ramasser. Ouais, reculez. Recule 30, recule. Attention à toi. Pardon. Je vais vous parler, monsieur. Contre les murs, là. Écoutez bien, c'est quoi votre nom? Il a pas été fouillé, hein. Soledad. Il a été fouillé. Il a été fouillé, monsieur Soledad. Ah bah c'est bon, là. Soledad, Almodovar. C'est aussi qui m'a dit qu'il a fouillé. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai récupéré ça sur lui. Je vais... Ah ouais, mais tu vas me mettre ça au scellé, monsieur. Ouais. Mon cadet a fait une erreur grave en vous prodiguant des soins médicaux. Vous auriez Est-ce que je peux aller déposer ça ou attendre d'être en cellule et là vous auriez demandé un vice de procédure. Mais je ne demande pas de vice de procédure, je ne sais même pas ce que c'est. Je m'en bats les couilles, il m'a mis une claque, je l'ai frappé. Pour prendre les pauses, on prend la pause. Vous avez agressé mon collègue, donc là vous allez prendre notre tarif. Non, il m'a mis une claque. Il vous a pas touché, il y avait des témoins. Lisez-lui ses droits de nouveau et donnez-lui ses Alvarez, contre le mur. Contre le mur. Allez, contre le mur. Son nouveau chef d'inculpation, c'est agression sur agent. Je vais lui lire, vous inquiétez pas, je vais lui lire. Ok. Et outrage à agent aussi. Ok. Monsieur Soledad, vous êtes en état d'arrestation pour les faits suivants. Manifestation légale, possession d'armes illégales, agression sur agent d'État. T'as port d'armes illégales. Outrage à agent. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous rentrez à ce droit, tout ce que vous direz sera et pourra être retenu contre vous. Il n'y a pas l'outrage à agent 9-2. Bah, c'est 0-0 qui va dire le tir. Oui, c'est pour ajouter un peu, ça fait spectacle. J'aime la prison, je la vie. C'est pas grave, rajoutez. Je vais lui mettre l'outrage. Arrêtez de crier à l'intérieur des cellules, s'il vous plaît. Non, vous êtes... Alors, si je peux me permettre, collègue, étant donné le vice de procédure qui a été fait par notre cadet, vous ne pouvez lui mettre que les chefs d'accusation d'agression sur agent gouvernemental. Ouais, c'est vrai, parce que nous sommes honnêtes, je vous le rappelle, votre voix fait force de loi. Eh ben, allez. Ah non, bah prise d'otage sur agent de l'État aussi. Mais quelle mais comment ça prise d'otage? T'es fou. Non, uniquement ce qui s'est passé là sur le parking à l'arrière. Allez. Je dois pas te comprendre. Monsieur Chézier, vous êtes en état d'arrestation pour les faits suivants. Monsieur Soledad. Non, c'est pas Soledad malheureusement. C'est pas grave, monsieur Soledad, vous êtes en état d'arrestation pour les faits suivants. Agression sur agent d'État, vous avez le droit de garder le silence. Si vous vous sassez droit, tout ce que vous direz sera et pourra être retenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez également droit d'avocat et d'avoir un avocat présent lors de votre interrogatoire. Si vous n'en avez pas les moyens, vous serez fourni comme voilà, édifice. Vous avez également le droit à de la nourriture ainsi qu'à des soins si besoin. Est-ce que vous avez compris vos droits? Oui. Super, je pensais qu'on allait devoir l'appeler Monsieur X. Allez, monsieur, on va vous amener en cellule. Ouais, c'est bon. Vous suivez les collègues, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Bien. 06. Attends, je te dis un truc. Ta mère, c'est pour combien? M'en fous, m'accorde pas ta vie, s'il te plaît, je peux pas t'en parler. Allez, monsieur, avancez. 06, j'espère que tu as retenu la leçon. Ouais, j'ai retenu, ouais. Les échecs sont d'excellents outils thérapeutiques, pardon. C'est pas ce que je voulais dire. D'excellents outils pédagogiques. Je dois être un peu... Bah oui, prenez mes empreintes. Allez, on y va. Ouais, il crie fort, lui, par contre, à l'intérieur. Ouais. Rangez vos armes à l'intérieur, s'il vous plaît. Alors... Sa femme. Alors, les gens dans la prison sont souvent agressifs. Et dans une situation anxiogène, il faut calmer le jeu. Ah, mais c'est mes salles. Allez, va dans la première cellule, là. Non, mais c'est grave. Vous voulez que ça aille sur sa mort au cas où s'ils veulent avoir des armes oui, comme ça, on anticipe. Oui. Ouais. Attends, pourquoi il y a autant d'agents ici? Je sais pas, on est des stars. Tous ceux qui ont rien à faire, repartez s'il vous plaît en patrouille. Michel, tu veux rester toi pour les trucs? Ah bah écoutez, au cas où, moi j'ai arrêté ce monsieur là, mais il y a une vis de procédure là, il y a mon petit cadet qui a fait une petite erreur donc. Vu, on m'a fait appeler une matrace. J'ai arrêté un bon quart d'heure hein, en cellule. Hein. Juan Pablo. Okay. Ouais. Force à toi, tu vas prendre ma place. Repars en patrouille s'il te plaît. Non, mais vraiment, t'inquiète.
Je vais rien me reprocher. Qu'est-ce que vous faites, collègue? Il m'a frappé, c'était témoin, il m'a frappé, aïe, triple zéro, il y a des barrières, triple zéro, il commence pas à faire non, j'ai reçu, la jambe a traversé, triple zéro, tu repars en patrouille, c'est bon? Non, c'est bon. Ouais, avec, j'ai plus ce marque. Ok, nickel. Non, parce que c'est le bordel depuis tout à l'heure, là, j'essaie de... Ouais, bah moi, j'y suis pas. Tu fais quoi ici, 38? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait des bêtises? Ah, donc c'est parlez pas avec moi, espèce de traître. Mais comment ça? Vous êtes un traître. Réfé, je ne traite de rien du tout, qu'est-ce que vous racontez? On a manifesté, c'est nos droits, on se fait attraper alors qu'on manifeste. Ça fait chacun sa manière de manifester, on a caramel de cœur. Sachez-le, monsieur, vous avez visé des cocktails Molotov sur des policiers. Non, pas moi. Non, sur des voitures de police. Les autres, oui, mais pas moi. Dans ta tentative de meurtre sur un... Il y a trop d'agents en PDP, là, s'il vous plaît, ceux qui servent à rien, ils peuvent aller. Les autres, là-bas, oui, mais pas moi. Écoutez-moi. Bon, Sandro, il t'a vraiment balancé, hein. Je suis pas Sandro, prenez les empreintes. Et pourquoi il fait que me dire ça alors? Pourquoi un détenteur d'otage, il ferait que me dire ça? C'est un... Je le connais pas. Triple zéro, il a je dit peux, que... S'il me veut absolument, c'est qu'il veut me tuer. Non, bon, aidez-moi, libérez-moi pas, il va me tuer, ça veut dire. Ben ok, ben alors du coup, vu qu'il te fait passer pour Sandro, vu que tu veux pas qu'on te libère, eh ben on va te mettre en prison pour Sandro. Au moins, tu seras en sécurité. Vu non, ben ça... Sandro dans ces cas. Non, ça, vous avez pas droit. Moi, je suis Juan Pablo, vous m'arrêtez pour ce que... Pour moi. Juan Pablo comment? Juan, prénom, de famille Pablo. C'est logique, seigneur. Juan Pablo Guchavo, c'est bon? Juan, c'est son nom. Mais quel Guchavo? Juan Pablo. Ok, dans ta case, c'est qui Juan Pablo? Non, j'ai pas. Non, c'est pour ça, je viens en prendre Juan Pablo, je vais baiser ta mère. C'est ça, si jamais il est pas fiché, ça revient. Non, si, quand tu rentres dans le pays, t'es fiché obligatoirement. C'est ça, moi j'ai été recensé, on m'a demandé mes empreintes, je les ai données. Sous le nom de Juan Pablo, venez, allez les faire mes empreintes, vous allez voir. Ah, il a fait un PPA et tout. Okay, j'ai un PPA et tout. Il a fait une fausse déposition en gros quand il est arrivé. J'ai rien quand il est arrivé, il est venu pour se déclarer. Il a dit non, oui. Non, j'ai fait la vraie déposition. Je suis Juan Pablo. Le mec de la mairie, il lui a dit comment je t'appelle. Il a dit ouais, je m'appelle Juan Pablo. Mais sur ta carte d'identité, il y a marqué quoi, toi? Sur ta carte d'identité. Juan Pablo. Oui, mais tu l'as pas ta carte d'identité. T'as ton PPA, tu m'as dit. Moi, demande ton PPA. Non, je l'ai pas. Mais c'est vous qui. Vous pouvez voir que j'ai. Ok, elle est où ta carte d'identité? Elle est où ta carte d'identité? Ma carte d'identité. Bon, libérez-le. Libérez tous les vagos. Allez, on libère les vagos, le putain cap, ça y est, c'est bon. Libérez-moi, bonne. Allez, on sort. C'est la vraie vie là? Il se parle comme ça? C'est ce que je comprends pas, monsieur. Ouais, bah moi aussi je comprends pas, Hermano. Moi je t'arrête, venez-moi boire. Non, moi je suis là-bas. J'ai 100 000 d'amende. Voilà. Tranquille, hein, si vous pouvez pas faire votre excuse. Et si tu peux pas faire ton métier, quoi. Tranquille, si tu peux pas faire ton métier, seigneur, y a pas de problème. Non, mais moi ça m'arrange, moi ça m'arrange. Il a dit, il faut vous mettre dehors. Donc voilà, je sais pas si vous êtes un grand criminel, mais sachez. On m'a dit que je sors, on a dit que je vais pas dehors. En plus, vous m'avez pris en plein dans le sac, quoi. Allez, venez, je vous emmène. Allez, amenez-moi. Grâce à ça. Les bagos, c'est tout sorti du banal. Voilà, excusez-nous encore pour le service déplorable proposé. Hein. C'est pas grave, la prochaine fois, seigneur, je ferai un plus gros crime, comme ça voilà, tu es marié. La prochaine fois, on fera comme dans Prison Break, on mettra une prison à Panama, qu'avec des fadas dedans. Voilà, on sera méchants. Voilà. T'es sûr qu'on ne faut pas tirer par là? Oui, mais c'est parce que je vous amène derrière quand même pour vous faire un peu chier. Que vous ayez un peu peur de la police, parce que là, vous devez pas trop... Ouais, j'espère que ça a été fait. Hein. Si, en fait, pas tout le monde, quoi, mais voilà, j'ai peur des sales tampoyos, quoi. Voilà, je vous laisse partir. Hein. Vas-y, gracias, bah, force à vous, les poyos. N'oubliez pas, vive les Vagos Gang, Vagos Gang. Oui, non, mais n'en ramenez pas trop. Je suis une famille, ça, monsieur. Il y a personne dans la rue, je pourrais vous mettre un coup de flash. Ouais, c'est bon, ça va aller, pardon, poyos, pardon. Voilà. Monsieur Messel. Arme là, arrête de crier. Voilà, je comprends pas ce qui s'est passé. Ça me donne un pas envie de partir en patrouille. Ça tombe bien, c'est le mot d'ordre. Quoi donc? De pas partir en patrouille? Si, justement, ils ont dit, bah, retournez tous en patrouille. Ça sert à rien, c'est quand on arrête les gens, on les fait sortir. Il t'arrive quoi? Pardon. Hein? Bah, tu travailles pas à 55? Non. Pourquoi? Vous boudez. Parlez à votre délégué du personnel.
délégué du personnel. Je suis en mission infiltration pour l'FBI. Bien. Ah, donc c'est pour ça que vous êtes habillé comme Adam West. Je sais pas c'est qui Adam West. Toi, tu travailles pour FBI. Mon dieu, vous connaissez pas Adam West. Kev Adams. Oh là là, quel enfer. Je vais essayer de vous chanter pour voir si... Le Wild Wild West. Oh là 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 là, le Wild Wild West. Allez, pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça fait le rap comme les jeunes. Ouais, là, c'est... Non, c'est... Je vais faire Wild West. Je connais la crème. Wild West. Non, oh là là. Regarde, écoute. Oh, tu connais ça à 14 ou pas ce qu'elle est en train de chanter? Oui, non, les mystères de l'Ouest. On dirait que vous ressemblez à Adam West. Oh là, là, je suis sur une enquête, apparemment. Wild West. Apparemment, il y a la Célera du Nord qui est en train de descendre vers le... Attendez, lui, il a une arme sur lui, faut lui prendre. Mais c'est une affaire, Bon, mais il connaît pas la référence. Tu sais qu'il va partir en patrouille, là. La Dame 67 se transforme en tombe. Non, pas moi. Terminé. Moi. Allez, on y va. On a dit, mais c'est à boire, ça. Ça. Avant, c'est aller pour aller sur ses à boire. Manger. D'accord, moi, je vais y aller directement. Sors. Ah, j'ai pris un SUV. Regardez, j'ai pris un SUV. Mais part. Allez, hop. Opération SUV. La Dodge. Vas-y, monte. Vous avez pris à boire, Pichounette. Prends, pardon. Non, il n'y avait plus un stock en haut. Il n'y avait plus rien. C'était à sec, le stock. Ouais, ouais. Mais je voulais dire pour faire un stock, quoi. Ça serait bien parce que... Ce qui s'est passé, ça me perturbe sur mes 35 ans de métier. Ah, mais non, plus moi, j'ai rien compris de tout. Hein. Faut qu'on aille acheter à manger ou à boire. Vous avez un endroit? Ouais. Ah, attendez, ça va voir. Techniquement, il y a le Uber Eats, là, juste à gauche. Là, là, ici. Ouais, normalement, s'ils sont ouverts, ils ont pas l'air d'être ouverts. Ah, non. Pas ouvert. Dites quand on part en patrouille, là, ça me fatigue à la radio. Là. Ah oui, c'est vrai. Je suis démotivé. Tango 000 1041, tout secteur. C'est capté. Cherche le miam miam. C'est en haut qu'il y a le miam miam. J'ai faim. Pour la supérette, ouais. Oui, ma salle. Qu'est-ce que je fais un stock pour la LSPD? Non. On dans mon pour sac vous déjà. Ok. Et si les autres ils sont pas capables de s'assumer. Ah, et où? Ah ouais, non. Toujours le même problème. Il est pas là. Il veut pas travailler, à mon avis, il fait grève, hein. Monsieur Miss. Monsieur M. Allez. Vraiment une autre échoppe valide. Vous avez vu comme il y a un gros pare-choc, on peut péter les grilles. Faites pas, hein. Vraiment, à notre endroit, on peut s'acheter une collation. Si la première supérette, elle est hors. Enfin, elle est. Comment dire, s'ils travaillent pas, je pense pas que les autres vont travailler. En vrai, y a que le Uber Eats, hein. Regardez cette voiture. Ah, peut-être. Peut-être le Burger Shot, oui. Bien vu. Burger Shot, hein. 50 autour de. On essaye. Ouais. C'est capté 50. Oh putain. Oh, on a rien. C'est un monstre, c'est un tank. Ah oui, c'est le pare-choc. D'accord. Le pare-choc. T'avais rien? Non, ça va, ça va. On va pas me faire les pleureuses chialeuses là, non? Non, non, on est fort, nous. On fait partie de la spada. Faites-moi votre cri de guerrier. Ah voilà, très bien, ouais, c'est exactement ça. Encore? Oui. Ah. Eh bien. Ouais. Écoutez, monsieur, pardon? Ok. Monsieur, je vais vous mettre... Ouais, écoutez, je vais vous mettre une amende pour l'excès de vitesse.
Je vais appeler voir si le barrier shot c'est bien, s'il vous plaît. En fait, j'ai une idée, est-ce qu'on a un officier qui peut venir au PDP, s'il vous plaît, qui est en tango et qui peut se répartir avec deux cadets. Pas l'air ouvert, non. 10-4. Ouais, ça a l'air ouvert. On est garé. Il est fin. Vérité, s'il vous plaît, 08. En fait, là, actuellement, j'ai deux cadets dans une voiture, il me faudrait un officier qui les prenne en charge. J'ai 10-4, 75, j'arrive au PDP. Je suis avec un cadet, du coup, s'il y en a un autre qui sait prendre. Elles sont en grave, Scrum, celle. Chier, j'ai faim. Moi aussi, c'est très faim et très soif. Personne. Alors, c'est pas grave. Hein. On mourra de faim, faim. Je crois qu'on va aller prendre dans les saisies. Hein. Ah oui, ouais, saisies des bouteilles d'eau et d'hamburger, mais il doit avoir une belle tête, l'hamburger. Ouais, mais il y en a un petit peu, je crois, des fois. Tango 38, 10-19, PDP. C'est capté. Oh putain, c'est quoi cette voiture, né? Mais ça, comme elle est vigoureuse. Ouais. Ah, il manque un petit peu de... comment dire, de compte. J'ai l'impression, ce véhicule. Allez voir. Ouais. Je vais voir. Vous a... Bon. Un peu, mais ça coûte un peu cher, il me semble. On s'en fout. L'argent n'est pas un problème. C'est une solution au problème. Ah bon? Ah ouais, effectivement. Ça fait du bien. La bouteille d'eau en or massif, hein. Oh mince. Ah, j'ai pas assez d'argent. Je peux payer avec les cartes bancaires. Adam. Bah, Bolex, vous en avez 7 et après je donne. Je vous le donne, ouais, j'ai 7. Voilà, faites donc. Vous voulez combien? Adam 5 75 bouteille d'eau devient un tango 75 10 41 ouais, tout secteur terminé. C'est capté, stay safe. Qu'est-ce que le capitaine ou le lieutenant sont disponibles, s'il vous plaît? Affirmatif, pour quel motif? Ah bah pour le motif dont je voudrais vous parler dans votre bureau, c'est important, mon lieutenant. C'est capté, de Adam 59. Savoir quand, s'il vous plaît, mon lieutenant? Immédiatement, j'arrive. Ah mince, mais celle. Ouais. Je t'ai donné beaucoup, hein, de pain. Ah oui. 14. Bien manger, merci. Attends, viens là, pitchounette. Attends. Voilà. C'est mieux, non? Ah ouais, merci, monsieur. Eh bon. Ah, vous voulez de l'eau, hein? Ah ouais, ouais, je bois là, regarde que je fais que boire. Ah, c'est bien. Je bois, je bois. Églou, 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 églou. Églou, églou, églou. Églou, 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 églou. Oh, dedans, quoi. Et voilà, l'eau, ça a pas de goût, mais je la bois. C'est vrai, il n'y a pas de goût. Hein. Et après, je mange le bon pain, le pain industriel, que c'est bon. Regarde. Il est bon le sandwich au pain, hein, il a le goût du pain. Mm. Bon, prenez-moi de l'eau, on va aller voir le lieutenant, je vais lui savonner la gueule. 32, retour radio. Il est pas prêt pour l'avoiner. Triple zéro, lieutenant, j'arrive dans 2 minutes. On y va, on y va, on y va. On va s'abonner la, le visage. Tango 0019 PDP. Attendez, si je vous dis comment aux toilettes, vous allez leur faire un tango 10-77 PDP.
Ah non, mais là on... 1077, c'est prise de papier cul. Prise de PQ, ah. Comme on dit, dans le jargon. C'est-à-dire, je vais faire mon caca. Comprenez ? Ah, mais il faut au moins indiquer au dispatcher qu'on va être indisponible. Quoi ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Son cerveau, ça fait des années qu'il est indisponible au dispatcher. Ah. Et personne ne l'indique, hein. Pas gentil pour lui, ça. C'est réaliste, surtout, malheureusement. Comment c'est que... Arrêtez de donner trop d'importance, c'est code radio 06, c'est pas ça qui fait le policier, ni qui fait le... Oh, c'est vrai, hein, ça... moi je crois que je vais en même faire. Hein. Ah, ah. C'est... Contrôle... Un peu problématique là. Non, c'est qui conduit là? Oh, oh. 67 pour 14. Contrôle des véhicules, ça va les collègues? C'est un faux. T'as cassé la porte, t'as cassé mon coffre, regarde, et t'as fait fumer ma voiture. On a rien. Je t'appelle. T'as crevé 5 de ses pneus, t'as crevé mes pneus et tout, 0-0. Désolé, de toute façon, c'est de la voiture de merde. Voilà, bon, on a rien, regardez. Adam prend 3 coups de feu au niveau de l'agence immobilière. Regarde, elle bouge toute seule, ça va. Ouais, c'est pas grave, retourne-y. Mais regarde. Désolé, on a rien. T'inquiète, Zéro. Transpirer. Ah, ouais, rattrapez-le bah, lui. Vous avez pas une porte par là? Ouais, ça. Allez. On arrive. Dites qu'on est au PDP. Le 75 arrive sur position. Allez. Maintenant, ici 000. Je suis arrivé au PDP. Vous êtes où, je vous prie? R. RAS à l'agent immobilier, monsieur. Un véhicule, c'est un type Rebla. Est-ce qu'il y a encore le véhicule? Vous avez la couleur, lieutenant, ou pas? Oui, il est. C'est, on est là, c'est le véhicule gris. Mon lieutenant, je suis au PDP, vous êtes où, je vous prie? Actuellement au PDP, où êtes-vous au PDP? 67 pour capitaine Soulax. Rejoignez. Capitaine, vous avez des sergents, s'il vous plaît. Oui, bah, est-ce que quelqu'un peut venir devant le PDP? J'ai certaines personnes qui souhaitent voir le capitaine. Demandez les raisons et faites remonter ça au sergent ou au lieutenant et après ils s'en occupent. Il y a un petit souci que tu devrais voir dehors, 59. C'est là, lieutenant. Qu'est-ce qui se passe dehors? Une grosse amende. Allez, venez. Ça sera pas long. Les cadets, allez voir dehors, vous réglez le problème. Allez, vous êtes grand, vous êtes okay. Responsable. On est bon. Gueule de guerrier, ma pitchoune, hein. Oui, alors... Non, comment tu vas? Je vais faire dans le sarcasme, mon lieutenant, vous allez comprendre. Vous n'avez pas aimé au début, après vous n'allez rien. Allez, vas-y. Dites-moi, comment ça se passe? Aujourd'hui, on travaille gratis et demain, on paye? Comment ça, on travaille gratis? J'ai plein de collègues qui se sont plaints. Quand est-ce que vous distribuez les payes? Les payes se distribuent le dimanche soir aux cérémonies. Ouais, alors c'est moi, pas le vendredi. J'ai reçu aucune paye depuis 2 semaines. Non, mais faut assister aux cérémonies aussi. Et c'est moi qui me fournis mon matériel pour le goûter et les pauses. C'est pas normal. Oh, ça c'est pas normal pour le goûter et les pauses. Hein. Ah, on est d'accord. On est d'accord pour ça. Pourrais-je avoir une régularisation salariale pour me concernant ainsi que pour tes collègues qui ont été joués? Eh ben, tu sais quoi? Oui. J'ai une proposition à te faire. Oui. Tu vas à l'Uber Eats. Et je te laisse choisir ce que tu veux pour le goûter, pour toutes les unités, ça marche. Ce que je voudrais, c'est que vous me régularisiez mon salaire, que j'ai un peu... Ah, le salaire, ça sera directement régularisé à la cérémonie. Ah, d'accord, alors ça va. Et pendant ce temps, jusqu'à la cérémonie, je fais quoi? Je fais rien. Pour le moment, tu te contentes du petit salaire qui tombe tous les je sais pas combien de temps. D'accord. Soit directement $350. Et ensuite, du coup, directement, tu bah, auras ta régularisation. Comme vous voulez. Ouais, vous oui, je rentre. À tous les cadets qui m'entendent, s'il vous plaît, venez tous les cadets au commissariat, s'il vous plaît. Ça ne se fait pas, collègue. Des 4, s'il vous plaît. Ok, très bien. C'est personnel ou pas? 75, 10, 19. Ouais, un peu. Est-ce que ce soit personnel ou pas, ça ne se fait pas? Si. Vous voulez bien la recadrer, s'il vous plaît, c'est incorrect. Non, elle a déjà été recadrée aujourd'hui. Elle est fatigante, hein. Non, t'inquiète pas. Pourvu qu'elle se fasse encore enlever une ou deux fois. Oh, j'espère pas, non.
C'était une blague, mon plus personne ne veut la vas-y, on sait, capitaine, plus. Où exactement au PDP quoi, l'accueil, c'est bon. Elle est inenlevable, elle est inamovible, elle est à nous jusqu'à la fin des temps. Mais... c'est peut-être notre... un moment quand même. C'est notre boulet à nous. Notre motif, motif d'échange, attention, vous donne Alvarez si vous êtes pas d'échange, ça, oh, c'est une bonne idée, on peut leur dire, écoutez-moi bien, ou vous vous rendez, ou on vous donne Alvarez. Non, c'est pas mal. Oh, décompte les gars. Vous direz, non, on la veut pas, non. Enfin, on vous la donne avec $1 million. Non, pitié. On n'a peut-être pas le million. Arrêtez-nous. On se rend. Oh, je ris. Allez, ça va aller. Ouais, c'est marrant. Je me fais rire tout seul, c'est marrant. Ouais, c'est pas tout ça, je retourne en patrouille, là, si vous m'occupez. Allez, et pour le côté, je te laisse gérer, ça marche, hein. Ouais, ça marche. Je te laisse aller voir Lubier et tu me donnes les prix et on passe commande. Ouais, très bien. Allez, vas-y, on fait ça. Si, on va partir, ouais. J'ai eu l'autorisation pour la veilleur. Nickel. Bah, de toute façon, on va être K2. Donc quoi, t'as pas pris ta fin de service? Ah, Habibi. Alvarez, sachez que vous êtes une véritable... arme tigresse. Anti-terrorisme. Non, vous pouvez partir votre personnel. Pourquoi? ATP. Pourquoi? Dis-moi. Avec le lieutenant, on a trouvé une technique pour solutionner tous les braquages en quelques minutes. Attention quand tu me pousses. Comment? Dites-moi. On propose aux braqueurs ravisseurs de vous donner. Je sais pas du tout. J'ai rien à dire. Tellement vous êtes insupportable. Les gars, on préfère ça. Et c'est censé me faire rire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vous avez des nouvelles de 94? Quelqu'un a des nouvelles? C'est pas rigolo. Du 5. Ça va, Alvarez, ça prenait pas mal. Vous avez des écoutez, capacités monsieur, incroyables. Non mais vous savez que même mes familles je ne vous veux pas monsieur. Donc à un moment donné il faut se, demander, faut se poser la question c'est, d'accord c'est vu un arbre qui voulait plus vous voir non plus. Et j'en ris tout seul. Revenez Alvarez. Elle est parti. C'est une véritable ATP. Arme à thérapie, l'arme à titre, à thé. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Faut que je te raconte, collègue. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Tu sais ce que c'est, Alvarez? Non, dis-moi. Une AATP. Arme à 05 pour radio 10-10. Bonne soirée, personnel. Tout le monde. C'est qui a dit ça? C'est moi. C'est parce que regarde. J'ai rigolé avec le lieutenant là. On s'est tapé la barre. Hein. Regarde. Si jamais la prochaine fois les braqueurs le négocier, genre écoutez-moi bien. Vous en sortez de la banque. Ou on vous donne Alvarez. Ah, c'est vrai que là, ils vont sortir directement. Directement, même avec $1 million. Et on va pas. Pas gentil. Oh, mon lieutenant. Mon lieutenant, il faut créer une brigade spéciale pour la AATP. Les notes, tu parles en radio. Votre langage en radio, s'il vous plaît. L'arme. De quoi Alvarez. Je la vote 04, elle m'a. Liste personnelle. J'en ris. Votre radio, 30. Tout à l'heure, j'en ris. Ah, j'arrive, j'ai un problème. Pas mal, pas mal. Ah, vive ma. Appuyez juste une fois sur votre radio. Allez, j'attends la prochaine. Voilà. Allez. Allez, fais attention. Ça se passe quoi avec les cadets, là? Ah, je suis pas mis. Ah, bah c'est bon. Demandez à Capitaine Soulax. C'est bon. Et 14. Capitaine, puis-je récupérer mes cadets? Je suis en DD. Attends, DD. Ouais, t'inquiète. Fais plaisir au capitaine sous l'axe, puis-je récupérer mes cadets, je vous prie. J'ai cru mal entendre, c'est bien. Bon, allez, venez, on va dire que on c'est... On est bon. Tu sens au poignet? Tu sens? Ouais. Hé, collègue. Je suis pas fou, j'ai entendu la voix de 59. Ouais, 204. Allez, Adam West, fais-nous des miracles dans les mystères de l'Ouest. 59? Je voulais vous dire que il y a un agent qui fait du bon travail. Et c'est qui? Là, je vous parle en tant que citoyen. 55 qui fait du bon travail. Là, je vous parle en tant que citoyen.
Non, 55 et travail. Ah, c'est marrant, je l'ai entendu, ça m'a fait rire l'ambiance est bonne ce soir. C'est vrai, ça t'a fait rire. Ouais, Alvarez, faites comme lui, mettez-vous en civil, après vous venez dire en tant que citoyen. Écoute, Mariam. Non, mais écoute, Mariam. Arrêtez de vous foutre de vos cigares. C'est mal au ventre. Arrêtez. Oh, me sort. Ça y est. Soit tu le dis en face, soit tu ne le dis pas. En fait, tu fermes ta gueule, tu vois. Non, mais je te le dis, ça commence à me guérir à un moment donné. Non, mais il n'y a rien de marrant, en fait. À part te faire passer pour un gros DP, c'est tout ce que tu ferais. C'est marrant. Ouais, pauvre type. Allez, ferme ta gueule, ça me fait. Calmez-vous. Aucun conflit entre la LSPJ. Vas-y, 55, c'est toi. Allez, il n'y a personne qui te supporte. S'il vous plaît. Aucun conflit entre la LSPJ. Nous sommes une équipe. Y'a personne qui tue parti, allez, triple zéro, dis-lui pardon. Ouais, pour... vas-y, c'est pas grave. Y'a personne qui t'aime, pauvre mec. Triple zéro, excuse-toi, vas-y. Ouais, mais excusez pourquoi, parce que je fais une petite... Elle l'a mal pris. Ouais. En fait, triple zéro, je vais te dire, triple zéro, tu peux faire des blagues avec tout le monde, mais Alvarez, viens, écoute, viens, Alvarez. Non, le blâme, il va se le prendre, d'accord. On présente mes excuses, Le blâme, tu vas te le prendre. Bon, c'est bon, t'auras pas de blâme, je t'excuse, t'inquiète pas. T'auras aucun blâme. C'est bon, hein, deuxième rang, c'est bon. En gros, triple zéro, t'inquiète. En gros, je t'explique. Elle apprécie pas les blagues, tu vois. Moi, je m'en fiche et tous les 95%, ils en ont rien à foutre. Mais tu vois, elle déteste. Mais du moment où tu t'es excusé, t'inquiète pas, t'auras pas de blâme. Même si elle te met, ça sert à rien. Ne fais pas attention à son blâme, ça sert à rien. Tu vois, t'as fait une erreur, tu savais pas qu'elle rigolait pas, c'est pas grave, tu t'es excusé. C'est ça le plus important, tu vois. Mais garde cet humour, hein. Il y a juste elle qui apprécie pas, juste Evine avec elle, mais avec les autres, tu vois, je t'en fiche. Rire, là. J'ai le meilleur en tant que si. Ah, mais j'ai envie de dire, quand elle aime bien faire des blagues et puis elle aime pas qu'on lui en fasse, oui, c'est ce qu'on appelle le chafouin. Tu veux prendre des bottoms ? Ouais, voilà. Ouais, les chafouins. Après, comme on dit, je suis calibré en T-Max. Ouais, non, mais votre coup là de vous mettre en civil pour dire que vous êtes le meilleur officier de tout l'ensemble de l'Angérie. Ouais, mais après, tu es en civil. C'est drôle, collègue. Ouais. C'est bon, elle est partie, Alvarez là. Ouais, ça y est. Alvarez, y a pas de joie. Hein, ouais, dis-moi, triple zéro, là, je passe pas pour un agent de police. Bonjour, citoyen, vous voulez nous faire un retour sur la police ? Quel serait, selon vous, le meilleur officier ? Le AATP. Attends, triple zéro, regarde ce que je dirais à Joe. Ouais. Oh, attention, vous allez vous faire engueuler, après je peux pas vous défendre. J'ai rien attendu, vous avez rien dit, vous êtes... Attends, ouais, écoute. 55 pour lieutenant 59. Non, écoute. Y a un citoyen qui aimerait dire qu'un agent est au top. Et il m'a dit, est-ce que vous pouvez faire transmettre ce message à votre lieutenant et capitaine que l'agent 55 est un agent exceptionnel. Alors, mais c'est toi l'agent 55. Je sais, merci. Ça me fait rire. C'est... Oh, les collègues, on est d'accord que la radio, c'est la merde. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui transmet un message à la radio, j'ai l'impression d'être au loto communal avec ma grand-mère. j'ai la quine. Un panier garni, on peut gagner... Bon, 0-0-0, parlons plus sérieusement, c'est quand tu passes commandant ? Jamais, vous êtes un fou quoi, la responsabilité. On compte sur toi pour être au moins capitaine. Allez, sergent, on commence un petit peu, sergent. Bon, allez, à la rigueur, officier spécialisé. Ah, mais c'est bon, mais toi, non, avec lieutenant minimum. Bien à avoir des grades bizarres. Attendez, vous avez pas vu la pression que ça met, le capitaine a foutu tout le monde en dehors Tu viens d'où, toi ? Tu viens de quel contrée ? Languedoc, Roussillon, en France. T'étais quoi là-bas ? J'étais moi. Oui, mais t'as fait 35 ans des Despidi. T'étais quel grade ? Ici, à Los Santos, j'ai toujours été là. Ah, ça fait 35 ans que t'es officier 2 ? Oui, je m'applique, je suis surtout délégué personnel, délégué syndical depuis 30 ans. Bref, je t'explique. Moi, je t'explique. Des transferts de flemme incroyables et des postes redoutables. Triple zéro. Oui. Moi, tu vois, hier, t'as patrouillé avec mon père toute la soirée. Oui, je l'aimais bien. Et lui aussi, il t'aimait bien. Et il a dit que si
si t'allais voir le capitaine et 59 en lui disant que bah, son fils, c'est-à-dire moi, c'est un très bon agent, bah, il allait te faire monter. Il me semble que t'es un menteur. Hein. Attendez, je suis pas Alvarez là, collègue. T'essayes un peu de. Veuillez me croire, je suis un sergent assez remonté. Ouais, je vous crois, mais là vous êtes un civil surtout. Ah ouais, c'est vrai, ça... c'est vrai, ça marche pas, je suis en civil. Regardez. Dis-moi. Il y a la brigade moto. Il y a quand même marqué no parking là, je veux pas dire. Mais... Ouais. Non, mais c'est pas grave. Ouais, genre... Bon, allez, on part en patrouille. Je suis. Let's go, monsieur. Allez, très plaisir. Nickel, on y va. Elle est où, 06 hein. Mais respect, mon lieutenant. Mais respect, mon sergent. C'est quoi le code radio pour dire normal, on lève la moto. En gros, moto c'est quoi déjà moto? C'est Marie. Par exemple, Marie 59 en 10 53. Ça change pas en fait, c'est les mêmes, c'est juste Marie qui change. Si oui mais pour dire par exemple que vous levez la moto. Ça sert à rien. Bon, okay. Lieutenant, pouvez-vous préciser au sergent Alvarez que l'humour grivoise entre collègues du commissariat, ça crée des liens. Donc en fait, on a bien compris qu'elle n'était pas une personne qui aimait l'humour. C'est pas grave, on ne l'en fera plus. Il n'y a pas de problème. Bon, vous avez fini de parler de moi. On prend le dernier 911. Vous n'êtes pas ma maman, je peux encore parler de qui je veux. Je suis délégué personnel, délégué syndical. Oui, allez, rebarre ton verre, ça ira mieux. Ouais, voilà. Bonne continuation sur votre mobilette. Ouais. Dites que je suis en train de. Bonne soirée. Ouais. Bonne soirée, messieurs. Demain, je crois que je l'aime plus que c'est. Oh, il est là, le plus beau, le but. Comment ça, le but? La revanche. Bud, il faut que je vous raconte. Ok, à mon 3, regardez, à mon 3, vous êtes prêts? Attends, ouais. À mon 3, 1. Attendez, je peux me permettre, avant. Bud, vas-y, on avant est d'abord. Dans la blague grivoise et la bonne ambiance pour lier des liens dans le commissariat, vous validez? Ouais. Allez, voilà, c'est nickel. Parti, okay. Blague numéro 1, allez-y, collègue. Ok, allez, une. On en pause, tu as précisé, attends, le temps en pause. Ok, ok, perfection, à mon 3. 1, 2, 3. Feuille. Mais trop ça compte pas, ça compte pas. Oui, Pierre, oui, d'accord. Oui. Non, ça compte pas. Regardez, bonjour, monsieur le citoyen, vous avez une réclamation. Vas-y, attends, allez, on refait, excusez-moi. Oh, faites attention, mais de concentration. Bonjour, messieurs les citoyens, vous avez des réclamations? Ouais, je voulais dire que l'agent 51, franchement, il fait du bon travail. Tout à l'heure, il m'a sauvé la vie et c'est un acte de bravoure. Et monsieur le lieutenant-chef, j'aimerais vous dire que 55 est exceptionnel, incroyable. Il est droit de partout. Si vous saviez comment il est, il protège. Il mérite promotion, voilà. Merci. C'est ouais, une promotion. Oh, je ris. Attends, mais c'est toi, 55. Mais non, moi je suis citoyen. Non, c'est un citoyen, Bud. Appelez Radio 55 pour lui faire une promotion. Je pense qu'il va aimer, là, il est en train de travailler. Attends. Quoi? Moi je suis un citoyen qui trouve que 55 est exceptionnel et j'aimerais que vous le montez parce qu'il m'a sauvé la vie. Non, 55. 55 il va rester qu'à des places, non? Vas-y. Bon, alors, sinon, Pierre fait ciseaux. Pierre fait ciseaux. Ok. Si je perds, je passe cadet sous merde. Ok, à mon 3. T'es monté prêt? Ok, 1, 2, 3. Je cautionne pas, hein, tant que... Pas fait exprès. Mais je galère avec mes mains, il fait trop vite, viens, reviens. Mais tu fais trop vite. Ouais, frère, arrête, oui. Vous l'avez mérité. Mais oh, je t'ai dit, j'ai pas tes... Allez, va te faire rencontre. Vas-y, viens, on va pas trop vite. Ah, je vais lui tirer dessus. Adam 24, on se dirige sur les appels coup de feu. Faut demi-tour. Hop là. Zarossa, c'est elle a pris sa fin de service. Ça, Alvarez a pris sa fin de service. Non, elle, je sais pas, elle. Mais 06. 1031, c'est la frontière Balas-Vagos. C'est là qu'elle est avec nous avant. Lieutenant chef 21, 1041, tout secteur. Ah oui, on doit s'annoncer. Hein. Bonsoir, faites-le. Ok. Bonsoir.
Adam 000, 10-41, tout secteur. Voilà, nickel. C'est tout ce que c'est dire, hein, monsieur, monsieur là. Elle est un peu susceptible, madame Alvarez. Ouais, un peu, si vous êtes gentil. Oui, j'essaye de minimiser. Sens de la rigolade. J'ai remarqué. Hein. Mais ça dépend avec qui, il me semble. Non? Ouais, peut-être qu'elle m'aime pas, mais alors si vous savez comment je m'en cogne, comme la 15e tartine. Ah bah oui. J'ai l'impression qu'elle est un peu caractérienne. Ouais, elle a un caractère. Hein. Très fort. Ah, il y a un hélicoptère. Ça a l'air bizarre là, il se passe des choses hein, ici. Elle est à bouche le cul! Elle a de quoi? Il a dit bouge-toi le cul. Ok, on y va. Hélicoptère. Pas où il va, mais je suis. Hop là. Oh, hey. Oh, putain. Il est pas fait prêt, beau petit fils. T'es un 000, t'es trop, t'es trop 000 si on conduit de sérieux. Tu m'es rentré dans ton cul là. Ouais, bah, attends, mais j'ai bu beaucoup de Bud aujourd'hui, c'est pour ça que je suis pas frais. Le coup de feu, Elgin. T'as bu beaucoup de Bud? Bah oui. Discate Adam 24. Je suis pas à boire. La pierre! C'est capté! Okay, allez-y, je vous suis! Sur les derniers 10-31. On ne va pas! J'en sais rien! Ok! Allez-y, allez, suis-moi! Ah, il y a eu beaucoup d'action, hein! Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des baptêmes. Hein. Il faut calmer tout ça dans la ville. Hein. Ouais, ouais. Oh! Attendez, Maria. Casse-toi de la con de ta mère! Ah, mais dis donc. Oh! Il repart. Il est vaillant, le garçon. Ah ouais. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a fait peur. Pas... C'est quoi ce chemin? Ah, il est fort, hein. Ah ouais, il est pilote fort. Comme un dieu. Elle est passée où en plus? Maintenant, on l'a perdue. On l'a perdue. Vous voyez? Si ça avait été méchant... Bah, on l'aurait perdue, perdu, hein. C'est vrai qu'elle est fort en pelotage. Ouais, 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 en pelotage. Ouais. En pelotage de quoi? De laine? En pelotage. Quand le pipotage aussi, oui, il est pas mauvais, le pipotage. Ouais. C'est vrai. Mais c'est quoi le rapport avec sa conduite? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, elle conduit très mal, je sais. Ah, vous l'avez rattrapé, regardez où elle est. Dites-lui d'arrêter la voiture derrière nous. Allez-y à la radio là. À 000, essayez d'arrêter la voiture derrière nous. Mais non, pas du tout. Dites en poursuite, qu'est-ce que c'est ce message radio? Quoi? Poursuite, machin chouette, vers Sandy Shore, voiture de grande vitesse. 94, retour radio. Oh mon dieu, mais ça, c'est compliqué. Hein. Oui. Edouard 38-19 PDP en vue d'un changement pour devenir Marie 38. Devenir Marie 38 et faire une opération. Je peux pas résister, Véro. Quand ça se passe comment l'opération transgenre? Il va devenir Marie 38. Collègue, félicitations pour votre opération. Bienvenue dans notre sexe. Personne. Je dis à Adam 000, nous sommes actuellement en course poursuite vers Sandy Shore. Ah, il se transforme en Ben Marie, faire du chocolat avec lui.
Oh, je ris, aujourd'hui je ris, je suis là, ça me fait du bien, ça me libère. Il va s'arrêter le premier jour ou comment ça passe? Demandez des renforts là pour l'arrêter, là, s'il vous plaît. Ok. De renforts, vous dites où on est. Voilà, Adam, voilà. Triple zéro, direction sans désordre, on est actuellement en course poursuite, il nous faudrait des renforts. Je vous envoie à la position. 10-20, s'il vous plaît. Il donne la description de la voiture. Je connais pas la marque. Attendez. Mercedes. Mercedes verte. Mercedes verte. Le véhicule, c'est une Mercedes verte. Adam. Tu capté. Très plaisir. On a perdu. Ça me gonflait ces petites salopes avec leur véhicule de merde. Mais on va quand même continuer. Là, c'est fait, hein. J'envoie à chaque ouais, fois. Ouais, c'est très bien. Ouais, non, mais là, on l'a perdu. Oh mince. Fallait le faire beaucoup plus tôt, vous voyez. Mais c'est pas grave. 14 ou 33? Ouais. La prenez. Ah, oh, c'est compliqué, hein. C'est bon, la première fois que j'ai fait ça. Moi, ouais, j'ai beaucoup ri, hein. C'est beaucoup amusé. On fait le tour de la page touille, là, et puis on va se déposer là, le torchon, hein. Ouais. Ok. Je leur dis qu'on a stoppé la course poursuite. Oui, parce que l'individu est en fuite et hors de portée. Ok. Adam, triple zéro, l'individu a réussi à fuir. Donc on stoppe la course poursuite. Capté. C'était plus ou moins ça, quoi. C'était pas tout à fait ça, mais je crois qu'ils m'ont compris. C'était bien. Compris, le but c'est que ces messages soient compris. Alors. Il y a trop de chiffres, moi quand il y a trop de chiffres. C'est lui, refaites un appel. Viens là. Allez. Adam, triple zéro, nous avons retrouvé l'individu. Je vous envoie une pause, on a besoin de renfort. Voilà, dites qu'il va. Il est sur l'highway, direction. Regardez le fond. Direction, il est sur la highway, direction Sandy Shore, de Paleto Bay à Sandy Shore. Il est dans la direction de Paleto Bay et Sandy Shore. Ok, tu t'es fait. Je fais la demande de renfort maintenant. Il y a Adam disponible pour les assister? On y va. Radio. Affirmatif, de Marie 59, on arrive. 10-4. De Marie 38, on va arriver. On est en patrouille à 4 en Marie. Oh. Le véhicule est un type supercar vert métallisé. Marque Mercedes. Reçu. C'est capté. Continuez à faire des disparagulés, s'il vous plaît. Véhicule extrêmement rapide. Ouais, le super rapide par contre. Hein. Je relance une demande, Michel. Oui, faites la relance régulièrement. Ok, bon, c'est pas où il est parti, là. Ah, il va super vite, hein. Adam 24, on se rend sur le dernier coup de feu. Dites qu'on a perdu, on va sur le coup de feu. Ok. Adam, triple zéro, nous allons actuellement. On a abandonné la course poursuite, nous allons actuellement sur le coup de feu. Mettez-moi un petit point pour le coup de feu. Ok. Et là. Ouais, là. Avec quoi? Il paraîtrait qu'on a un pare-buffle. Arrêtez-vous, s'il vous plaît! Voilà, alors, comment ça se passe? C'est pas une. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou! Ah bah voilà! Ah ouais, carrément! Ah ouais. Allez! Monsieur l'accidenté! Le fou! Sortez les véhicules! Monsieur, veuillez sortir des véhicules maintenant.
Oui, oui, calmez-vous, calmez-vous. Tout de suite. On se calme rien du tout. Mettez-vous de l'autre côté de la barrière de sécurité. Dépêchez-vous. Allez. Montez. Voilà, montez. Collègue, vous mettez le véhicule en fourrière, de suite. Ok. Voilà. Alors, monsieur, présentez-moi vos papiers d'identité, chauffard. Okay. Ça vous plaît de provoquer la police? Je vous avais pas vu. Identité, Ethan Rice, alors... vous m'avez vu, vous êtes arrêté plusieurs fois, vous avez vu les gyrophares, vous avez fait demi-tour à plusieurs reprises, vous avez enfreint le code de la route de façon multiple. Avez-vous un permis de conduire que je puisse déchirer? Non. Vous n'en avez pas en plus. Eh ben dis donc, collègue. Ouais, monsieur. Défaut de permis de conduire. Refus d'obtempérer. Délit de fuite. Multiples infractions au code de la route, vous allez prendre nos tarifs. Amendez-moi ça. Fort et ferme, hein. Il y en a au moins pour 10 000 dollars minimum. Je ne les ai même pas. Mais c'est pas grave, vous vendrez votre voiture. Ok. Vous croyez qu'on badine à Los Santos avec les foufous? Ah, je ne voulais pas si vite que ça. Ah ben dis donc. Vous les avez pas vus les gyrophares? Bah non, vous les pas, jeune homme. Je serai arrêté. Une amende, collègue. Ouais, je vais mettre une amende. Voilà. À toutes les unités, on a une personne qui a volé un véhicule banalisé. Des 1000 dollars, hein, moi c'est... Absolument, 10 000. Voilà. Ça fait cher, hein, pour faire le mariole avec sa voiture de kéké. Vous m'avez reçu, quoi. Vous auriez pu me l'arrêter. Tango 75, on se dernière position signalée, unicorn. Mais je vous avais pas vu, sinon je me serais arrêté. Vous avez fait les demi-tours devant moi. J'ai fait demi-tour sans... Deux fois. Bah non, monsieur. Mentez pas, j'aime pas les menteurs. J'ai combien de temps pour la payer? Plus fauché. Payez vite. Sinon, on vous arrête. La prochaine fois, elle est payée, vous allez en prison. Ok, ok. D'accord, combien? Monsieur, levez les mains, je vais vous fouiller. Parce qu'au vu du délit que vous avez fait, je suis en droit de vous fouiller. Exactement. Okay. Point américain. Allez, arme illégale. Hein? Port d'armes illégales, confisquées. Vous revenez? Qu'est-ce qu'on a dans la poche? Du coca, j'adore le coca dans la... Merci. Hein, mais c'est que... Quoi? Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, quelque non, chose non, qui ne te convient pas? Non, rien, c'est bon. Il a qui le coca maintenant? Allez, prenez-le. Ah, c'est bon le coca en plus. Hein. Il est encore chaud le cheeseburger. J'ai pas bien mangé, je vais faire la pause grâce à toi. Salope. Ah ouais, on va faire un bistrot à 130. On a failli se tuer pour te rattraper. Le cheeseburger, on le mérite. On s'est régalé avec. Oh. Et je peux baisser les bras. Je vous fasse pas mettre tout nu et rentrer à pied en ville. Vous avez pas le droit. Messieurs. Quoi donc? Ah, non, rien. J'ai pas quoi, j'ai pas entendu, répétez, ayez le courage de ce que vous dites. Non, j'ai pas quoi. Non, c'est bon. J'ai pas quoi, répétez ce que vous dites ou ça va mal aller. Oh, vous avez le droit, vous avez le droit. J'ai le droit, c'est vrai. Comme vous avez... Oh, il m'énerve, lui, hein. D'habitude, je suis sympathique. Ouais, il est énervant. J'en connais un, il va se retrouver dans le buisson. En caleçon, il n'osera plus jamais ressortir. Faites pas le mariole avec moi. Attends. Ouais, ça va, tranquille. Voilà. Okay. Bon, ne le refaites plus avec la voiture, hein. Okay. T'as pas le foufou, sinon vous reprenez vos cheeseburgers. Monsieur, je l'aurais bien enlevé les pantalons et puis le faire courir dans la forêt. Je vais le sermonner. Ok, on est bon. Attendez, ne bougez pas, je vous sermonne. Non. C'est pas avec ça que je sermonne. Alors, c'est parti, regardez bien comment je sermonne. Ok, j'observe. C'est parti. Alors, on fait moins son mariage maintenant qu'on a été dans les bonnes cheeseburgers. On va le faire passer avec une bonne bouteille de coca. Le cheeseburger, voilà. Je l'avais fait tomber par terre une fois. Il a la règle des 3 minutes. C'est moins de 3 minutes qu'il était au sol.
Non, non, ça va. Ah, vous m'avez donné, vous m'avez laissé manger le cheeseburger qui était en muscle plus de 3 minutes. Non, non, moins de 3 minutes. Allez, c'est rentrez, bon. Vous... Ah bon, alors ça va, alors c'est bon. Sinon, vous rentriez sans les chaussures, on vous le dit de suite. Hein. Non, pas mes Nike. Des Nike violettes. Ah, j'avoue que vous, c'est pas terrible, mais... C'est les chaussures réglementaires offertes par le gouvernement à tous les agents assermentés. Elles sont extrêmement confortables, mais elles permettent de briser les burnes comme personne. Vous l'essayez, okay. Oh non, non, c'est... Non, c'est bon, c'est bon, c'est... Pièce à coup de non, ça ira, ça va, j'ai eu mal. Non, non, c'est bon, allez, c'est bon. Maintenant, bonne journée, monsieur, ne recommencez plus. Ok, vous avez compris ? La prochaine fois, vous faut appeler et puis on vous fait court. Bien dit, Canet. Nickel. Voilà. Non, on est bon. Ah, c'est jeune d'aujourd'hui, hein. C'est incroyable. Mais qu'il est bête. Non, vraiment. Mais non, ça... mais il est bête. Ma... Mais... Lavez-vous du milieu, il... vous êtes à contresens. Il a contresens. On les amende. Allez, arrestation, contresens, direct. S'il vous plaît, descendez de votre mérité. Non, 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 non. Le délit de fuite, allez, c'est parti, on y va, ça s'arrête jamais. Alors, papa, pas mal, t'as mal. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Les élus, ils sont partis par là-bas. C'est inacceptable. Eux, ils préfèrent qu'on leur tire dessus, il me semble. Hein. Que le dialogue. Hein. Je les vois au fond. On va le choper, ce couple de réactionnaires. Ah, du coup, j'ai oublié de prendre le monsieur. Merde, à pied. Ah, parce que là, on est sur une poursuite. On est la police, on doit le faire respecter. Bon, au moins, peut-être qu'il ne le fera plus. Vous croyez qu'il pourra faire pour un bon temps de 100 km/h avec ses Nike violettes? Ça se passe pas. Ah, je me fais... ah, je vais choper là le couple de bikers, ça va pas le faire. Ouais, ouais. En plus, c'est la femme qui a dit, hein. Vas-y. Ah bon ah. Où ça ah. Où ça en vous haut. Savez quoi? J'ai un instinct infaillible. Okay. Sortez le taser, vous me les tasez. Hop là. C'est bon. Ah. Ah. Oh merde. Oh, oh putain, c'est eux. Ah, nickel. Oh, alors là. Non, alors là, c'est trop, là. Ah, là, c'est trop, là. Ah, oh. C'est magique. Ah non, mais vraiment. Non, écoutez, je vous présente mes excuses. C'est comme au bowling. Vous percutez, mais... Ah, vous avez fait un peu exprès, là. Ah non, pas du tout, monsieur. Je vous jure que non, c'est à vous. Pour... On vous cherchait, monsieur. La coïncidence. On est tombé sur vous, c'est le cas de le dire. Vous allez bien? Ça, c'est à 2 minutes. Hein. On ne prend jamais plaisir à faire mal aux gens. Ça va ou pas? Dites-moi, j'appelle un médecin. Non. Vous m'avez percuté, ça va pas. Mais je sais bien, j'étais là. Écoutez, au nom de tous les SPD, je vous présente des excuses. C'est un accident fâcheux, mais absolument pas volontaire. On n'a pas voulu vous rentrer dedans. Je vous jure que là, c'est la faute à la chance, là, pas la chance. Je vous appelle la médecine, vous inquiétez pas. Ah. Oui, merci. Je vous présente officiellement mes excuses, bien que je me sens pas vraiment responsable. Ouais, enfin bon, vous étiez quand même à contresens sur l'autoroute. Non, mais non, j'étais pas à contresens, je venais de l'amphithéâtre, j'étais sur ma ligne, on s'est croisés. Et je suis désolé, je vous ai vu au dernier moment, j'ai pas pu vous éviter. C'est des choses qui arrivent. Bon, en plus, ça fait un drame, on passe monter le martel en tête. Ah, j'ai juste failli mourir, mais c'est pas grave. Pour un mourant, vous parlez beaucoup, hein. Ah, allez, mettez-vous derrière le véhicule, j'appelle l'ambulance. On est là. Venez. Venez là, messieurs, dames. Je vais ranger ma moto. Non, mais laissez-la, la moto. Vous êtes pas en état, là. Attendez l'ambulance. On va vous la ranger. Allez, mettez-la ici, là où je suis, là. Mettez-la là, là. Ouais, là, c'est bien aussi. Oui. Ah, putain. J'ai eu l'ambulance, ils arrivent. Ah, bon, écoutez. vous avez fait un délit de fuite, quand même. Pourquoi non. Vous ça non, pas du tout. C'est, quand même. Ah bah, si vous êtes arrivé, on vous a demandé moi. De descendre du véhicule, de partir. Ouais, c'est vrai, t'as pour... Ah, je vous ai pas entendu. Le principe du délit... Oh, mais moi, je voulais m'arrêter. Ah, quoi madame, vous vouliez vous arrêter. Attends, ah, quoi vous avez été entraîné par votre collègue. Non, vraiment pas. Non, 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 en fait, j'ai pas voulu m'arrêter. C'est... j'étais sur la moto, donc j'avais pas sauté de la moto. Donc forcément, j'étais... Ah oui, tu changes de version, aussi, là. Alors... Monsieur le conducteur, on va rajouter kidnapping. Mais non, c'est pas du kidnapping, c'est moi qui ai monté sur la moto.
Oui, mais vous vouliez descendre, vous empêchez de descendre. Non, mais je l'ai pas dit. Mais je l'ai pas dit. Ah, vous lui avez pas dit. De descendre. Ah, mais non. Alors vous avez. Non, mais là, sinon vous faites des procès d'intention, c'est pas bon. Mais du coup, vous nous avez écrasés quand même. Alors non, pas du tout. Non. Nous avons percuté de façon fortuite alors que vous arriviez à l'autre côté de notre mais... direction. On est en moto quand même. Quoi donc ? On est en moto quand même. Mais je. Voilà. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans... On vous a vu trop tard, on n'a pas pu vous éviter. D'accord, je comprends, je comprends. Parce que c'est cette voix, vous avez mué. Vous avez mué. Vous vous moquez de moi. Tu m'as whisky. J'ai la grosse voix. Non, tu m'as whisky. Oui. Mais discrètement, faut pas que le cadet le voit. C'est quoi comme un whisky? C'est du aber lourde. Bah j'en ai pas sur moi. Mais si tu veux, j'ai un cheese. Tu veux un cheese? Attends, moi j'ai un truc qui pourrait vous plaire, monsieur. J'ai mangé, j'ai mangé. Venez, j'ai un truc qui pourrait vous plaire. Écoutez, ce qu'on va faire. C'est, j'ai du chivas, j'ai du chivas. C'est un peu dégueulasse le chivas. Le chivas c'est dégueulasse. Oh, attention. Ouais, attends, d'où goûte, faites-moi le plaisir. Attends, écoute-moi bien. Tu es capable, je suis sûr, de t'acheter un putain de téléphone iPhone 12 de merde, un truc carré, dégueulasse, qui sert à rien, avec lequel tu m'as sur TikTok pour mater les filles, et tu n'es même pas foutu d'acheter l'alcool correct. Écoute-moi bien, jeune, le bienfait qu'a fait que je t'ai rencontré, tu vois. Le Seigneur en parle. Apprenez-moi alors. Il faut que tu goûtes du Talisker double mature tourbé 20 ans d'âge. Attendez, répétez, je note ça. Talisker double mature tourbé 20 ans d'âge. Ou même un Talisker de base, tu verras, c'est stratosphérique. Après, tu boiras plus que ça. Tu je vas ici rien, m'essayer de l'Aberlord. Aberlord, 15 ans d'âge. Tu comprends quelque un chose, toi, délice, un hectare. Je lui apprends les spiritueux. Ouais. Voilà. Alors, bah, écoutez, m'apprends, m'apprends tout, hein, c'est ça. Bon, cadet, j'ai pas d'argent. Mais t'as Lucie, toi, non? Cadet, concentration. Ouais. Donnez de l'argent au monsieur pour le dédommager pour l'accident. Michel. Oui, vous avez pas d'argent. Non, mais c'est bon, vous inquiétez pas. Ouais, je crois que ça vous ressemble un peu trop. C'est pas grave. C'est pas d'argent. Allez, donnez un peu d'argent, si non, vous c'est plaît, bon, y a pas de soucis. Acceptez notre argent, vous allez nous vexer. Vous voulez pas nous vexer. Ok, quand même. Ok, ouais, je veux bien. Ouais, je veux bien. Voilà, déjà, vous avez fait le délit de fuite, on vous met pas dans la prison. Parce que vous attendez, êtes sympathique. Ça veut dire, on fait un délit de fuite et vous nous donnez. Mais le film hémorragie interne, mon Dieu, la bavure. Si un film hémorragie interne, on est foutu. Mon Dieu, relevez-vous. Relevez-vous, s'il te plaît. Oui, attendez. Ah, mais c'est Lucie, Ouais, je m'en fiche comment elle s'appelle. Si on a la bavure, après on va encore se faire engueuler par le commandant. Arrête, arrête. Mademoiselle, vous n'avez pas le manger interne, au moins. Combien non, vous là, voyez de droit? Ça va, ça va. Combien? Ben, un. Parfait, elle est en pleine forme, elle a rien. Ouf. Ça à partir faire, de maintenant, on n'est plus responsable. Ouais, okay. Cadet, donnez de l'argent au monsieur. Mais non, 500 dollars. Attendez, mais du coup, je vais faire tout le temps des délits si en plus. Laissez, hein. Non, mais 500 c'est dollars. C'est... Ah, j'ai même pas, merci beaucoup, c'est gentil, dollars. Madame. Merci beaucoup, hop là. Ça fait plaisir. Attends, je vous donne ça. Nickel. Donnez vraiment des billets, je vous regarde, collègue. Non, attendez, elle m'a donné. Attendez, regardez, il y a quelqu'un qui marche sur l'autoroute là-bas, je rigole vraiment pas. Ah ouais? Ah oui, mais merde alors! Ouais. On va l'arrêter! Bon, messieurs, dames, l'ambulance va arriver, restez là jusqu'à ce qu'elle arrive. Ouais, bon, ouais, d'accord. Et essayez le Talisker double mature, hein. Le C, après, ça donne aussi de l'argent, hein. Ok? Ouais, venez, on va arrêter cet imbécile qui marche sur le on y va. Voilà. Alors lui, je vais lui mettre au moins 20 000 dollars d'amende pour compenser. Ouais, ouais. On va lui mettre une grosse amende pour compenser l'argent ouais. qu'on vous a pris, qu'on vous a donné. Oh, je ris ce soir, je ris. Que je ris. Il est où cet imbécile qui marche? Ah, il doit pas être très loin. À patte, il va pas très loin. Est-ce qu'il est? Elle est où? Attendez. Ouais. Il est où? On voulait tellement l'arrêter, il est où? Oh, on aurait... Ah, elle est où? Non, il est pas là. Non. C'était peut-être... Oh, c'était là... comme la dame blanche. Peut-être, hein. Ouais, mais c'est bizarre. Hein. Peut-être de l'en haut, on le voit. J'ai peur, hein. Moi ça j'ai peur, hein, je vous le dis. Vous avez peur des fantômes. Mais ils sont ah, partis. Oui, oui, moi le paranormal, tout ça, attention, hein, je rigole pas avec moi. Hein. Mm. Ouais, non, faut s'éloigner de là, ça, la nuit qui tombe, tout ouais. ça, non. Ça va pas, Yura. J'ai peur. Mais on va pas l'ambulance, Kevin? Attendez. Ok. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un supérieur lieutenant, un sergent de présence, s'il vous plaît, sur radio? Attendez, je vais demander. Oui, 000 radio, est-ce que nous avons un lieutenant, un sergent disponible? C'est pas une question importante. Est-ce que vous avez un visuel sur le suspect?
Négatif. Adam 94, 10, 41, tout secteur. J'ai rien compris. J'ai peur. Ok, position s'il vous plaît, position. Ah. Position de quoi? C'est pas. Voilà. Ils ont dit qu'ils étaient à l'hôpital. Ah bon? Je sais pas, je sais pas pourquoi. Daniel est de place, c'est ça? Allez, messieurs, c'est Alvarez qui a discuté. Téléphone de radio. 18 monte 78. Wow. Celui qui a vu le bus, essayez de le suivre. Donnez Adam des 24, positions, s'il vous plaît, répondez. Réitérez, s'il vous plaît. Descriptif de l'île. Messieurs, bonjour. Vu. C'était ouais, un. Bizarre. Ça va et vous? On l'a, je l'ai vu en l'air et après il est reparti. Mais je sais pas où. Un contrôle auprès de qui? Quel? Passe, comment ça? 15. Va bien. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était un contrôle vraiment poussé, quoi. Non, 15, pas du 14, tout. Là, on a... Toujours le nez rouge, Michel. Ah, tout à l'heure, c'était nous. Oh, Adam 14. Vous l'avez fait voler par qui? Vous l'avez fait voler un véhicule. Enrhumé? Non, c'est négatif, on l'a déposé dans le garage du PDB. Non, mais ça se voit. Une autre... Il y a un chauffe qui est actuellement dans une banalisée. Ah, fille, on la colle, ça fait du bonjour madame, enchanté. Bonjour, enchanté. C'est tout, très belle couleur de cheveux. Merci, monsieur. Au revoir, je l'ai croisé, je l'ai... Y'a pas de soucis, bon courage. Je l'ai croisé tout à l'heure, le chauve, il m'a dit que c'était un mec... Bon courage, monsieur. Bon courage. Précis, allez, oui. allez, on accouche là. Il est pas de notre division de police, mais c'est un policier. Ok, on l'a en visio, il se dirige vers le parking central. Adam 9-4, on est second sur la poursuite. Non, ça y est, y'a pas besoin de 4. Y'a pas besoin de 4. On est déjà deux Adam dessus, c'est bon. On est déjà deux sur, on est déjà deux. C'est bon, plus personne d'autre, ça y est. Allez, suivre tranquille. Y'a pas intérêt que je vois trois véhicules dessus, hein. Y'a que deux véhicules. On est déjà deux, 14, c'est bon. Vous avez dit qu'on laissait de loin. Non, vous dites rien. Ok. Regardez, okay. On a pas mis les gyros et tout, et s'ils nous disent quelque chose, bah non, pas du tout, on était juste au même endroit. 50 pour radio, est-ce qu'une oracle banalisée aurait été volée, s'il vous plaît? Oui, ah, oui, on l'a déjà collé. Ah, les 4. Et ma radio était off. Ah, droite. À gauche. Tranquillement. Ah oh, ouais. Banalisée 75, RAS au niveau de Grapsi. Banalisé, ça s'appelle Nora. Nora la banale. Oh, oh. Scott, merci. On sait plus où ils sont. C'est dommage. Hein? Non. Je pensais que j'avais vu quelque chose, mais non. Il faut que j'observe plus. Bloqué. Ok, bon. De voleur. Oh, oh. Ça c'est la voiture de voleur. Cela. Ça c'est la voiture de malfrat. Non mais il parle absolument pas comme le mec que j'ai vu tout à l'heure par contre. Ça c'est la voiture de malfrat. C'est toi Nafka qui conduit là? Ouais. Ok. Ça quand j'ai dit bonne soirée. Bon allez. Capté, bonne soirée. Rentrer, moi je suis fatigué, je suis exténué, je suis rompu. Oh, on va faire un de service, ça. Pour aller bien faire de douille. Ouais, exactement, je vais aller ranger le jambon dans le torchon. Exactement. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça là-bas? De quoi? L'œil de lynx, appelez-moi œil de lynx. Ah ouais, vous avez vraiment un œil de lynx, portail. L'œil de lynx. Quelque chose à loin là qui me plaît pas. Oh. On n'a pas le temps. On est bon. Ça se passe pour la poursuite? 10-4, ça se passe, ouais. On est toujours à la poursuite. Ah bah je me suis trompé. Il y a un barrage de véhicules jaunes devant nous. Barrage de véhicules jaunes. S'il vous plaît au PDP. Véhicule jaune. Mais voilà, c'est les véhicules jaunes que j'ai vu.
Oh, mais t'as vraiment un œil de lynx, c'est incroyable. Il fume à côté du Uber Eats, ouais, on aura certainement besoin de plusieurs unités pour aider parce qu'on est suivi par des véhicules jaunes et qui ont tenté de faire un barrage sur la route. Dites qu'on arrive, mettez-moi. 10-4, on aura 75, on arrive. Adam, Marie 59, on arrive sur le secteur. Nous aussi, hein. Triple 0, on arrive dans le secteur. Et parle tous en même temps. Venez vite tous, venez vite tous sur la zone, tous. On arrive, on est là. 10-4, on arrive. Même 92, on est sur place. On va passer par derrière, d'accord. Ok. On est là. Allez, circulez. Allez, ma vieille, encore un petit effort. Ils ont le capitaine sous l'axe. On les lâche pas, hein. On ne les lâche pas. Ah, c'est mes dernières. C'est mon arme. Nora 75 arrive sur zone dans 4 km. Si, là. C'est quoi les codes 99 ici, 000, on est positionné derrière le parking. Ils partent avec Zosage, vous faites les pneus. Ordre, c'est un ordre, je rigole pas, hein. Vous pétez les pneus s'ils partent, s'il y en a un qui démarre, vous pétez les pneus. 10-4. Pour quel motif? Et si ça rafale, vous rafalez tout le monde, c'est comme ça. J'arrive pas à changer. Il y en a un qui part, il y en a un qui accélère avec les otages, vous tirez sur les pneus. Ils ont des otages. Ouais, ils ont, mais c'est hors du capitaine. Et vous descendez tous. Hors du capitaine. Visez les pneus. Ça va bouger, est-ce qu'on tire sur les pneus du coup? J'ai plus ma coachée. Ok, je me concentre, monsieur. T'as dit que le capitaine était pris en otage? Voiture qui bouge, je tire dans les pneus, chef. Oubliez pas, c'est ça. Tire pas. Ne tirez pas. N'oubliez pas, vous tirez sur les pneus, n'oubliez pas. Il y a deux voitures là qui bougent. J'ai pas de balles, putain, j'ai pas de balles. Soyez sûr d'être vraiment sur position si c'est l'ordre. Tirez pas sur les pneus alors que vous êtes à découvert, vraiment. On avance sur le van, Ouais, le van, vous lâchez pas le van. Ils vont pas. Refaites des codes, s'il vous plaît. En terme et sel. Même endroit, face au Uber Eats. Venez tous. Ça, le... Ça tire, là, hein. Visez les pneus, cadet. Arrêtez de tirer. J'ai fait les pneus, mais sel, j'en ai resté un. Mais bien, continue. On va laisser les tirer. Mais celle, j'en ai fait deux pneus. Vas-y, fais les pneus, petite, fais les pneus. Ici, 000, on a. Triple zéro, arrête de tirer. Ah, moi j'ai pas d'arme à feu. Hein. Ah, pourquoi vous tirez, moi. Pourquoi tirer, laisse, ça y est, arrête de tirer. Y'a personne qui part à tirer, c'est 15 fois que tu tires là. Oh, bah, on m'avait dit de tirer. Mais non, ça y est, on a dit arrêter de tirer, écoutez la radio. Collègue. Bah, vous parlez tous en même temps. On n'allait pas partir avec, on se replace. Mais enlève tes putains de barrières là, tu vois quoi? Enlève tes barrières. C'est qui a mis des barrières? Non, enlevez les barrières. Enlève tes barrières. Non, mais laissez-les. Quoi, la vie de ma mère, on va mourir ici. Encerclez tous le van, s'il vous plaît. Viens, recule. Tiens-toi, baïonne-le. Encerclez le van avec le véhicule. Enlève-moi ça, je vais m'énerver. RFP, tu me donnes un ordre, je lui mets une balle dans la tête. Non, attends. Tous les Hermanos. Tous les agents, venez s'il vous plaît autour du van, tout le monde autour, comme reste ça. Reste là. Autour, tous les agents, s'il vous plaît, avancez. Pas l'aéro, hein. Mets-toi derrière la voiture. On encercle tous la zone, et y a personne qui part de là, et je vais négocier. Recule, regarde ce qu'ils ont fait, regarde ce qu'ils ont fait, ils sont brûlés entre eux. Oh, enlevez vos cocktails Molotov, ça sert à rien, enlevez-les. Oh là là, ça sent à des bandades, il va avoir des problèmes, hein. Au bout d'un moment, on tire. Apparemment. C'est quoi les ordres, la chef? On tire. Là, maintenant, c'est simple. On entoure juste la zone. On les entoure. Ils partent pas de là. Je vais négocier avec eux. Chef, ils ont des cocktails Molotov, je répète. Je comprends pas, en fait, quand on lui parle, lui. Il parle très mal, par contre. Hein. Ouais, il parle mal. Ouais, non, mais il faut qu'il redescende parce que ils parlent tous à la radio. Mettez une barrière là. Vous avez pas les mêmes plongées dans l'acide, collègue. Mettez-en trois. Ah, il me faut des balles. Donnez-moi des balles de pistolet. Trois balles j'en de plasma. Même moi, je n'en ai pas. Merde. Pichoun, tiens un peu des balles, même 10. Attends, je regarde, monsieur. Direct. Tout de suite. Pour discuter, non? Oh la pichounette, non, fais pas la folle avec le truc qui brûle, c'est toi Michel. Non,
on aurait négocié ça. Laissez. Attends, mais celle, je vais te donner ça, hein, tout de suite. Vite. Regarde, ça. Parfait, ça parfait. Maintenant, voilà. Je sors le revolver. Voilà, nickel. Ils ont déplacé. Et moi, j'arrête de tirer. Hein. Ah oui, bah oui, maintenant, tu viens de bloquer la situation. D'accord, ça va, d'accord, ça va. Tire à triple zéro. Mon pneu, il va être réparé. Michel, personne va réparer quoi que ce soit. T'es le seul qui peut arranger la situation, Michel. D'accord, si tu veux. Et maintenant, c'est simple. Si tu veux pas négocier avec moi, on va lancer l'assaut, ça va se terminer comme ça. Tu peux pas avancer. Ça va aller dans les deux sens. Ça doit aller dans les deux sens. Je peux pas aller dans un sens et pas dans l'autre. Maintenant, moi, je te propose un truc, c'est que je te répare ton véhicule. Tu me fais descendre les deux étages et tu pars. Promets qu'on poursuit pas. Tu pars. Il y a déjà un négociateur. Tu répares ton pneu, tu pars. Tu me laisses les deux otages. Reste mon voyant. Laisse le baïonner. Qu'est-ce qu'on parle à Gwen? Bon, tu veux négocier, on va négocier. Maintenant, décalez tous vos côtiers, allez en face du trottoir, laissez-nous nous replacer et là on va négocier. Ok, vas-y, ok. Et bah, il fallait faire ça dès le début. Tranquille, de façon. On allait juste se replacer. Ok, maintenant ce que vous faites, vous mettez tous les véhicules de l'autre côté du trottoir, replacez-vous, laissez-les se replacer et si ça part à partir de là, ben écoutez, il aura refusé une négociation, on ouvrira le feu. Mais là pour le moment, on écoute, on fait un pas vers eux. C'est simple, c'est ça. Tranquille, les deux poyos là, soit vous allez avec tous vos collègues, soit vous fumez là tout de suite, c'est vous qui voyez. Là, regardez tous vos collègues. Et le lieutenant, tous vos collègues, ils sont en train de bouger. Allez, vous prenez, votre caisse, montez dans votre caisse, Attendez, non, parce que Soula s'est enfui, on est obligé de reprendre un otage. Il est revenu. Calmez-vous, arrêtez de parler. Je t'écoute. Vous me connaissez, c'est un otage, Michel, calmez-vous, c'est quoi la problème? Ok, bah ok, reprenez-en un. Ok, bah juste, Michel, viens avec moi. Je te suis. Michel, casse-toi. Michel, casse-toi. Oh, venant le garde, non. Tu pars par là-bas. Le chef, là, avec qui je parlais. Ramène-moi juste Michel et c'est bon. Michel, de l'autre côté, va au Uber Eats. Le chef. Je peux passer. Michel, va au Uber Eats. D'accord, je vais de l'autre côté. Hein. Vous savez, c'est compliqué, là. J'ai envie de faire pépé, hein. Oh, toi, ferme ta gueule. Voilà, la roue, elle est crevée ici aussi. Je demande à prendre la place de ma cadette, s'il te plaît. Tranquilo. Vas-y. Je veux prendre la place de la cadette. Avance. J'étais en train de me faire de l'oseille. Ouais, bah à la base. Laissez-moi prendre la place de la cadette. Michel, reste là vite fait. Michel. Ouais. Viens, tu vas rester avec nous. D'accord. Réfait. S'il te plaît, fais pas du mal à la petite, hein. Mais on veut rien faire, depuis tout à l'heure, on veut juste se barrer, c'est pas possible apparemment. Tu sais que j'ai sauvé ta gamine tout à l'heure, je l'ai fait partir. C'est bon ? Alors s'il te plaît, un geste, laisse-nous partir. Mano, c'est bon, monsieur ? L'hermano, placez les côtiers, prêts à partir vers gare centrale. Hello ? Ok. Monsieur, c'est bon ? Il va bloquer l'autre côté, il y a une voiture qui est partie. La voiture, elle est bien là ? Vous avez vu, on a respecté notre part du marché ? Attends, on va attendre la vôtre maintenant ? Attends, j'ai un kit. Ouais, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est vraiment mon expérience. Okay. La vérité, il est parti, hein. Il vient de partir dormir. Je vous jure, il a fait une fin de service. Ok. Collègue, il faut pas. Ça va partir là, hein. Faut faire attention, ça va tirer, hein. C'est vrai ? Circulez, s'il vous plaît. Ah ouais, faut faire attention. Ok, je vous écoute. Ok, ça. Ici, à 000, toutes les unités, ils ont été très coopératifs, ils nous ont relâchés, ça nous molestait, ni rien. Ouais, on va être coopératifs, t'inquiète. Escade, viens me chercher, s'il te plaît. Attends. Il va avoir un bain de sang, là, hein. Moi, tu veux pas mourir, on est trop jeune. Reste caché, petite. Écoute le conseil d'un vieillard qui en a vu des vertes et des pas mûres. Reste caché. Ok. Tu restes caché, hein. Oh là là.
compliqué là. Hein. Hop, c'est lequel qui manque là? On attend le mécano. Ils réparent leur véhicule. Ouais. Ils nous laissent notre argent, ils s'en vont. Capitaine. Oui. En fait, on voulait même pas kidnapper, on voulait kidnapper personne. On a fait un plan blocage. Je peux vous parler. Mais vu que Papa Soulac s'est descendu et qu'il a braqué un plan pour arrêter le mec qui a fait le plan blocage, au lieu d'arrêter le mec qui a fait le braquage en question, bah c'est compliqué, vous comprenez? Moi, franchement, j'ai pas suivi ce qui s'est passé, juste vu que vous aviez braqué mon capitaine. Ah oui, bah oui. En fait, il s'appelle capitaine et capitaine, voilà, il a fait. Viens, viens. Oui, claro. De toute façon, maintenant, regardez, on attend juste le mécano. Il répare votre pneu, vous nous rendez votre argent, vous partez, on vous suit pas. Parce que vous l'avez pris extrêmement. On vous suit pas. On veut sous l'axe. Les journalistes là-bas, incroyable. On veut. On veut sous l'axe. On veut pas que de jamais. Sous l'axe, il y a pas, ils te veulent. Hein. J'ai dit que t'as fait une fin de service. Ouais, mais j'ai fait une fin de service. Ok, te pointe pas. Mais on va tuer personne, on a déjà tué quelqu'un dans tout ce qu'on a kidnappé. Non, je voilà, plaide en merci. Votre faveur, vous nous avez traité avec correction, vous avez libéré mon cadet, je l'apprécie. Notre but c'est de tuer personne, après quand on est forcé à tuer quelqu'un, on le fait. Là on n'est pas forcé. Oui, non, mais enfin bon, c'est pas bon, faut pas tuer les gens, ben non alors. Pas besoin de tuer personne, ouais, y a pas besoin de tuer personne. Mais vous avez. Oui, mais. Après, vous devez comprendre. En fait, monsieur. Voilà, c'est ça. Moi, faut juste. Faut vous compreniez un truc là. On est en plein centre-ville, il y a des citoyens partout. Je comprends, mais vraiment. Ici. Ouais, mais après, vous. Vous êtes mal placé pour parler parce que vous êtes chez vous de partout. Vous étiez quoi? Vous pouvez pas me dire ici, vous êtes pas chez vous parce que même chez nous, vous faites ça. Donc, c'est compliqué. Non, mais nous, on est dépositaires de public. Y a pas de centre. C'est ça, c'est. Tout à l'heure, il y a des agents qui ont fait l'erreur de venir dans votre quartier et je me suis occupé de. Ah oui, non. Il y a aucun problème par rapport à ça. Ouais, attends. L'entrepôt, c'est El Rancho. Alors, de quoi le Rancho? On parle pas de votre entrepôt. On parle pas de votre entrepôt. Ok, non, mais. Pourquoi ils se braquent là? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Vas-y, tes collègues, d'arrêter. C'est pas mon collègue, c'est ton homme qui a braqué. Revenez, ça rien. Ça, je vois, braque. Ouais, ça rien. Arrêtez. J'espère qu'il y a un mécano en service au moins, parce que là, j'ai fait l'appel, ça vient pas. Bah, ça, faut le. C'est à vous de voir. On part, préfet. Non. Ramenez-moi le véhicule à réparer, on a des pneus de secours, on va essayer de vous en mettre. C'est bon. Mes hermanos sont en train de préparer, attendez. Okay. Par contre. Tu vois, tu m'as fait une promesse, tu m'as dit tu vas pas bloquer. Ouais, vraiment j'ai je te bloque guetteur, pas. J'ai un guetteur à moi, il y a des polices qui attendent dans le coin du trottoir, de l'autre côté, en face de la rue. Ok, je vais leur dire tout de suite de bouger. Les motos qui sont à l'autre côté de la rue, revenez tous s'il vous plaît à l'endroit, on ne les poursuit pas. Revenez tous devant le Uber Eats. Négatif, on décroche, assez d'unités sont présentes sur place. Non mais je parle à ceux qui veulent tenter quelque chose, 59. Il y en a, ils veulent tenter des trucs. 5, il y a rien à tenter avec vous. S'il y en a un qui tente quelque chose, il assumera les conséquences. Ouais. Je vois pas l'unité de moto là, devant le Uber Eats. Hein. C'est normal, 5. Toutes les motos ont décroché. Ah, vous êtes... Ok, vous êtes partis, c'est bon? On est au PDP actuellement. Ok, 10-4. Tu peux vérifier ton guetteur, ils sont partis. Encore. Ils vont encore partir parce qu'ils ont encore un otage. J'attends la validation radio. Vas-y, tranquille. Ça me méduse. Ouais, je crois que la validation était faite. Hein. Tu vas aller dormir, ma seule. Parce que là. T'inquiète, radio, j'attends juste la validation. C'est bon, vas-y. C'est bon, ils ont validé. Ok, nickel. On vous laisse, vous remontez dans vos véhicules. Laissez-nous juste notre lieutenant. Par contre. De nouveau pareil. Hein, vous avez oublié quelqu'un. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Hein. Parti dormir, monsieur. Vraiment. Vous avez le sel, c'est comme un CD. Il a fait une fin de service. Ça veut dire que là, même si je demande de venir, il viendra pas. Il a fait une fin de service. Yes. Bon, vas-y, on se bat. Ok. Ne nous suivez pas, parce que vraiment, regardez. On reste ici. Rebelote, ça va se repasser. On va s'entrebraquer. Lève. Je vais. Attends. Ouais, on n'a pas d'otage. On les laisse en partant. Non, on va pas vous suivre. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous suivre. Non, par contre, juste un truc, vous avez des otages, hein, vraiment. Oui, je sais. Okay. Ils sont là. Personne ne les poursuit, personne ne fait rien. On les laisse partir. Ils nous laissent notre agent. Braquez l'agent que vous avez en otage à travers la vitre et montez dans vos coches. Dites-moi quoi, c'est bon. Force à vous, les poyos, force à vous. Nique la guardia. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, moi je dis qu'on doit la rentrer dans le tas au bout d'un moment, il doit avoir des morts quand on est gangster. Voilà, je sais pas, après, je sais pas. Là, c'est une aberrance qui se passe, bon, hein. Je sais pas, c'est du même opinion, tu vois. Ouais, je sais pas non plus du même opinion, quoi. Et après, je me barre. Il
faut quand même, tu sais, garder les vies. N'aie pas peur, je lui tire pas dessus. On sait jamais. Ouais, mais là, ils sont quand même très, 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 parce que, très dangereux. Ça sert à rien de tenter quoi que ce soit. Malgré que ça reste des gangsters, c'est quand même des citoyens, tu vois. Mmh. Oui, mais bon, là, là, on n'est plus dans l'infraction caractérisée, on est dans l'anarchie et dans le terrorisme. Bah, je vais te demander à 30, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je dis que quand c'est à eux de tuer quelqu'un, je pense pas qu'ils hésitent. Hein. Exactement. Ouais. C'est vrai que la raison. Au bout d'un moment, une fois, deux fois, troisième fois, c'est nous oui, prendre là, pour non, des couillons. Ça fait hein. quand même trois fois qu'ils nous la font à l'envers. Midi, 10, on fait un rapport sur ce qui s'est passé. Allez, lieutenant, j'ai ton libéré, viens pour ta faire service avec mon PDP, s'il te plaît. Oui, Michel. Ça va, lieutenant. Ouais, ça va aller. Putain. Samuel. Ouais. Au bout d'un moment. Et c'est quoi les mots qu'il t'a dit? Je vois tous, c'était dur, mais. Les mots qui. Vous inquiétez ouais. pas, c'est en cours, Michel. Il m'a rien dit, il m'a juste dit que le mec il avait volé une voiture. Ça, Michel, tu sais tout. Ouais. La police. Vas-y, on va déposer. Vas-y, on y va. Michel, c'est grâce ouais. à toi qu'on en est là. Merci, Michel, d'avoir. De t'être fait prendre en otage. Ils t'ont relâché super vite. Otage, moi. Ouais. Danke schön, messieurs, bon travail. Moi, c'est quoi, c'est. Vas-y, on y va. C'est des touristes allemands, ils sont beaux. Ah non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. On se fait prendre en otage parce qu'ils disent d'abord tire et après, comme par hasard, tire pas, mais personne n'entend. Vous êtes sur la radio ou ils ont changé de fréquence? Je sais rien, moi, c'est plus sur la radio. Si, c'est sur la radio, mais je les entends plus, bizarrement. Regarde, d'habitude, ils parlent tout le temps. 10-10 pour 24, bonne soirée. C'est incroyable. Bonne soirée. Bien parqué. 18-10-10. Bonne soirée à tout le monde. Ici à 000, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vais bonne soirée à 000. Dans le torchon. Incroyable. Ah bah moi j'y vais, petite. Hein. Ça joue, hein, monsieur. Là. Bonne nuit, hein. Bonne à nuit. Demain. Hein. Hop là, monsieur Dracula. Ah,